Et on est en stream. Tout va bien. Boyoul! Moi aussi, je viens de lancer de mon côté. Non, par contre, je suis attristé parce que j'ai l'option de démarrer le jeu, mais pas rejoindre ton serveur. Ah oui, attends. Je vérifie que je sois bien toujours. Je suis en ligne? Ouais, je suis en ligne. Oui, parce que je suis encore sur le menu. Alors, tac, Dak. tac. Et voilà, tu peux me rejoindre. Ah ouais! Ah, le plaisir d'inaugurer le week-end en ta compagnie. Attends, rejoins la partie. J'ai beau. J'ai commencé à capturer plusieurs créatures. Y en a une, je suis tombé dessus parce que je cherchais un plan de méca et je Hallucinante. l'ai capturé instant parce que c'est un mob qui ne spawn qu'à cet endroit-là précis. Et comme il y a une chance sur je sais pas combien de l'avoir, je me suis dit ouais, c'est le moment. De l'importance d'avoir le réflexe d'avoir une Pokéball toujours sur soi. Ce qui est peut-être pas mon cas d'ailleurs, moi je vous le dis. Ouais, le problème, c'est l'importance, c'est crafter les Pokéballs, parce que ça requiert du diamant. Oui. Mais il me semblait avoir vu un endroit où on pouvait en acheter, mais j'ai pas réussi à retrouver. Eh ben, c'est pas auprès des nounours dans la station internationale, là, les mineurs? Alors, je parlais pas du diamant, hein, je parlais des Pokéballs. Ah, les Pokéballs! Peut-être dans les stations stellaires, mais il en faut une spéciale technologie, je sais plus quoi. Non, ils vendent des pièces technologiques et des pièces de soins, je crois, un truc comme ça. Oh, il y a beaucoup de types de stations de mémoire. Il y a la bouffe, il y a les armes, il y a la médecine, je crois. Ouais, mais tu sais que pour l'instant, on n'en a croisé que trois. Hein. On a Oh. croisé la médecine, la bouffe, et la dernière que tu as croisée, l'électronique. Ouais, mais il faut explorer l'univers davantage. Il y a vraiment On se beaucoup de balade pas Pokémon. assez, ouais, c'est clair. Ah, il y a des trucs que j'attendais dans notre partie que j'ai toujours pas croisé. Toi, je crois que tu as eu un élément que j'adore. Ça se trouve que sur la planète de glace, c'est la roche phosphorescente bleue et jaune. Moi, je l'ai pas encore Ouais, trouvée, de mon côté. j'en ai eu. Et J'ai j'adore cette exploré une roche. planète de glace mercredi matin avec Edge et j'en ai récupéré de nouveau. J'espère qu'il nous rejoindra, Edge. Oui, moi il m'a dit qu'il avait atteint d'état ce matin, donc oui, il va nous Bah rejoindre. oui, il nous rejoindra. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Je crois que j'ai même pas fait mon intro. Moi, je t'ai laissé faire la tienne. Moi, j'ai lancé, je me suis tué. J'ai laissé le clapet de la caméra, on me voyait pas. Enfin bref, le mec qui sait pas être correct. Pardon, bonjour à toutes et toutes. Ah si, c'est là. Ouais, la pierre brillante bleue, j'en ai 566 et la jaune, j'en ai 532. Et j'ai du cristal de géode et du cristal normal aussi. Et moi j'ai un bordel dans mon vaisseau. Mais en vrai, dans ma tête, je sais ce que je veux, la forme que je veux pour ma base et tout. Oui. Bonjour cousin. Mais je sais pas quel bloc. Ah. Salut à toi, Rio. Je sais pas quel bloc et je bloque là-dessus. Je suis bloqué sur ça en vrai. Oh, bonjour Nechevman. Oh là là, vous êtes adorable de venir dès mes premières minutes de signal. Bon, bah, j'espère que tout le monde ça va bien. Par contre, j'ai le distributeur de boissons, mais le distributeur de snacks, j'arrive pas à le trouver dans un endroit où je pourrais le choper. Tu m'as mis un tatou dans mon vaisseau. Ah, mais c'était la dernière fois, ça. Ouais, bah il est encore là, il a l'étage supérieur. Il doit bien se faire suer parce que c'est la pièce la moins meublée de mon vaisseau. J'ai un Pokémon glaçon qui se trimballe tout le long du bar, c'est n'importe quoi. Mais t'inquiète pas, moi j'ai vu qu'il y avait des rats chez dans ta cuisine aussi, à ta base et tout, là, c'est dégueulasse, hein, franchement, t'abuses.
Soupir. Oui, on va bien dans l'ensemble, merci Nash. On va bien pendant la semaine, quand il n'y a pas le sèche, je fais des conneries. Oh. Non, mais je vous confesserai que en semaine, vous me manquez, vraiment. Mais bon. Ah, je peux pas passer mes journées non plus à faire mes muses. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle est belle l'icône de la station spatiale dans l'index de téléportation. Je l'avais encore jamais vue puisque moi j'ai jamais déployé Ouais, une station. ouais, c'est ça. Il y a des vers dans sa cuisine au sage là. Attends, je vais vérifier, je vais faire l'inventaire, j'y vais. Moi, j'y suis, hein, si tu veux. Bonjour Pinsen. Coucou. Bah alors ça va Et là, il y a un vers dans ta cuisine au-dessus là. Il a des petits Cette yeux rouges et tout là. station. Ah oui, il y a plein de choses. Oh, il y a même un lapinou, j'ai oublié. Ah, Rigolo. ça, c'est le dîner de ce soir. Oh là là, c'est le tout premier, oui, qui était Ah, venu. tiens, j'ai un petit truc pour toi, je pense que ça pourrait te faire plaisir. Ah. Attends, faut que je trouve un endroit. Ah, puis il n'y a pas assez Oui, de je sais place pas dans ce s'il reste coin. de la place. Enfin, peut-être que je pense à finir la baraque par le haut, là, du côté du grenier. Ah, t'as peut-être dû penser. Oh, Capitaine Morbide, bonjour. T'as peut-être dû passer aux étages supérieurs. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais en fait ça va avec ta salle ici alors. Ah. Alors, on peut difficilement déplacer les trucs puisque c'est des containers et la plupart sont remplis. Ça la fout mal. Oh! Oh, je savais même pas que ça existait, dis donc. J'ai connu un modèle beaucoup plus modeste, mais celui-là, il est magnifique. Ouais, et il est aussi grand que tes plus gros containers. 64. C'est énorme. Merci, petit Seb. Tu es trop fort. Je le déplacerai. Je sais pas, tu peux le laisser ici, mais... C'est le mien, ça va pas? Ah, d'accord. Mais c'est bien, j'en ai fait ma copie. pour que tu le scannes, tu pourras te l'imprimer après. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci, petit Seb. Et un chef. Ah, magnifique, tu vois. Il C'est la première fois que je le est vois. aussi grand que ces containers là sur lesquels je suis. Bah oui, sauf qu'ils prennent deux fois moins de place. C'est fou, hein, quand même. Ouais. C'est presque aussi bien que les containers spéciaux de vaisseau qui compactent à donf. Ah oui, ça t'en met dans ton vaisseau, tu te Bah blindes. oui, t'en T'as fais un pas vaisseau de déco, cargo, en mais t'as fait. la blinde de coffre. Bah, c'est ça. Ah, je veux faire le tour de mes locataires. Bon, Ah oui, même alors, des pouces. pendant que tu fais ça, moi, je vais essayer de rejoindre le musée, J'ai un muséum. que tu puisses me rejoindre. Ils m'ont donné des graines. Génial, c'est des... Oh oui! Mais oh là là, des génies. Captain Morvin, il m'a donné 3 blés et 3 trucs de baies à faire du risotto. Ils ont tout compris. Il faut me donner des... De quoi faire de l'agriculture. Je m'enfouis dans les champs, planter tout J'ai ça. trouvé un nouveau lit, il est génial. Le plus beau lit que j'ai trouvé, moi, dans le jeu, c'est un lit à baldaquin. Ah, Mais moi je parlais de la guillotine. oh le routé. Non mais il y en a des très originaux. Après la table de torture, j'ai chopé la guillotine. Moi j'étais mort de rire avec NJ quand je l'ai vu, j'ai fait Ah, je le prends, je l'amène à la maison. La. Allez, mesdames et messieurs, direction l'outpost. Mais je sais plus si j'avais dit t'avais bonjour de mon cousin qui t'a salué. Il a dit yo petit Seb. Ah, salut tout le monde. Il y a qui? Il y a Ryo, il y a Nasha et il y a Oui, Toupen. Pinsen, ouais. Ah, on reconnaît les matinaux, c'est beau, c'est bien. C'est beau, c'est boche. Oups, pardon. Tac, 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 ben là j'ai tout. Attends, Alors, oui. matinale découverte du musée, c'est parti! Après on ira casser des bouches tout le reste de la matinée. Yalash. Oishi Museum. Teleportation. Veux sortir, je veux sortir. Pas le droit. Oh, je l'avais pas scanné cette porte-là. Nice, Je vais ça me plaît. garder ça dans un frigo. Il y a des portes que j'ai pas trouvées.
Parce qu'il y a des portes spéciales avec un rail. Pardon? Qui fait que... Ouais, il y a des portes spéciales avec un rail, ce qui fait que tu peux avoir une porte que tu te sers en marchant et avec le tram en même temps. Les deux. Ah, d'accord, oui, c'est des gros sas, ok. Bon, c'est des portes assez grandes pour faire passer la nacelle, là, celle que tu as mise sous les plantations. Mais voilà, que tu peux passer soit à pied, soit avec la nacelle. Effectivement. Et celle-là, je ne les ai pas. Je n'ai pas dû tomber dessus, ou alors je les ai pas différenciés des autres, je les ai pas scannés. Je vais peut-être changer de tenue pour aujourd'hui, parce qu'elle est rigolote, j'ai gardé la tenue de la dernière fois, mais... Je suis au musée, si tu veux me rejoindre. Il y a un PNJ avec une choucroute sur la tête. Oh mon dieu. C'est immondément drôle. Alors attends, je me change, je file à ma garde-robe, c'est bien, en plus je remonte en sens contraire mon champ sous la pluie, donc irrigation parfaite, arrosage assuré. Puis je te rejoins une fois que j'ai mes nouvelles fringues. Je fais un peu de tri dans mon inventaire que juste du côté de la bouffe, histoire que je fasse pas de gâchis. On va peut-être revenir dans une demi-heure alors. Non. Je plaisante. Deux minutes. Non mais c'est vrai qu'on pourrait s'y perdre, tu rigoles, mais... On pourrait laisser longuement faire des manips et perdre du temps. Laisser l'horloge tourner. C'est juste que j'ai pas cuisiné mes ananas. Je vais en faire juste du jus de fruits. Au moins j'ai plein de bouffe sur moi, j'ai pas de questions à me poser. Non, je vais arrêter la station de Radio Nippon. Hop là, je me téléporte à côté de toi, j'arrive. Alors pardon, vous devez l'entendre, j'ai un petit peu le nez pris. Hein. Mais, alors dis-moi tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire de musée? Bah tu sais, c'est le mec qui te demandait de ramener des objets là. Je m'en souviens même plus, mais bon bref. La quête que j'avais fait des objets ramenés, et puis à la fin t'as accès au musée depuis le loot post, depuis le téléporteur de loot post. C'est le seul endroit où tu peux le... Voilà. D'accord. Oh la vache. Et moi il y a des trucs que j'ai pas dans le lot. C'est magnifique. J'adore. Ouais, la Mona Lisa là-bas je l'ai pas, l'autre tableau aussi. Ah non, moi j'avais un masque des peuples, des hommes oiseaux là, des avianes. Le masque j'avais. Le banc je l'avais même pas. Ah, puis il y a du monde dans le musée, dis donc, il y en a plein qui adorent, c'est bien. Je m'attendais à un truc plus grand que ça. Mais sympa. Ah, moi j'aime beaucoup. Mais il y a des trucs qui m'a demandé de ramener qui sont plus rares que les autres. Hein. La statue armée là. Putain, ce que j'ai galéré pour la trouver. Ah, c'est bizarre, elle me semble familière, sans offense. Mais... Alors, dans toutes les forteresses. Salut Lynn. Dans toutes les forteresses, il y a la statue de l'armure. D'accord. Mais sans armes. Ah! Armée, elle est hyper rare. Sans déconner, hein. Pour la trouver, j'ai fait 6 ou 7 châteaux. Hein. Mais t'as raison, je dois confondre avec celle qui est pas armée, effectivement. Sans la hallebarde. Et puis c'est pareil, là, du côté, là, truc aztèque, avion, là. Le sarcophage en forme de bec là qui est vertical, pareil, hein, galère à trouver. Hein. Ah, non mais t'es un chef, bien joué. Bonjour Lynn. Ah oui, excellent. Ouais, c'est... Je m'attendais à un truc un peu plus grand que ça en vrai, mais c'est sympa. Oui, c'est vraiment sympa. C'est bon, j'ai tout scanné. Je crois aussi. Alors, est-ce que t'as fait des parties? Ah mais c'est on est prisonnier en fait. On n'a pas le droit de se promener là. Ouais. J'allais dire, j'allais partir en boule, tu sais faire le. Mais non. Faire le. C'est ça. Ça a été ouvert le temps des travaux et puis après. Accès condamné. Ouais. Ouais, comme ça, parce que c'est tout pressurisé à l'intérieur, tu peux pas balancer le vent dans l'espace. Je crois. Bon allez, zouf!
Merci, Lynn. Récupérer les points chez le sage. Voilà. Et... alors, je suis où? Ah, je suis... Ah oui, bah j'étais à une station spatiale d'électronique, justement. Mais ouais, mais comme tu disais, j'aimerais bien trouver toutes les stations spatiales qui existent pour pouvoir en fait scanner leur signe. Parce qu'à chaque fois, t'as le signe médical, le signe électronique, le signe. Ouais, au niveau des enseignes. Attends, je vais regarder dans le système solaire auquel je me trouve si j'en ai une qui pourrait t'intéresser. Ouais, si je l'avais visité celle-ci. Alors, il faut rappeler à nos publics que, respectifs, que les stations spatiales. Elles sont aléatoires, hein, comme les vaisseaux ou les spirales. Bah, comme tout le reste du jeu. Ouais, ouais. Alors, j'ai une station de bouffe de mon côté. Ah, je veux bien venir voir parce que là, ouais. Tu vois, il y a un truc que j'avais jamais vu. Ouais. Là, il y a un PNJ qui vend des electronic parts. Ouais, ouais. Et de la. Ah, de la food ration. La dernière fois, c'était du soin qu'il avait. Et c'était ouais, la même. Des rations de bouffe emballée, lyophilisée, ouais. J'en avais déjà récolté, je sais plus comment, et puis je lui avais revendu, ça fait un petit peu de thune. Bonjour Benzaiten, j'espère que tu vas bien. Ah, content de te voir. Il devrait pas y avoir une troisième personne. Bah, AJ n'est pas encore arrivé. Ouais, ouais. AJ s'est pas manifesté à nous. Oh, il fait peut-être la grasse mat, il est peut-être claqué de sa semaine. Mais lui aussi, il m'avait fait part qu'il avait des problèmes de sommeil, là, qu'il est... Enfin, des problèmes de sommeil, il a beaucoup d'activités, il est bien vivant ce garçon, et je pense qu'il Est-ce que tu t'es TP sur ta station, le sage? Je vais y aller. J'étais en approche, là je sors le mecha. D'ailleurs, en parlant de mecha, après, il faudra que j'apprenne à améliorer le mien. Parce que tu m'as offert plein de pièces, mais j'ai jamais amélioré quoi que ce soit. Ah bah, tu vas voir arriver avec le mien. Ça va. Et j'ai regardé les foreuses. Salut! Alors, mec, va falloir mettre le turbo, hein, parce que là, Oh la vache! Ouais, écoutez, et c'est le. En fait, j'ai beaucoup farmé pour avoir le cockpit. Ah, le il cockpit, est magnifique, c'est un cockpit spécial. Bah, c'est celui du protectorat. Super. Ah, et ma foreuse, c'est ça. Oh! Moi, j'ai un truc de naze. Toi, t'as un mais super c'est, laser. C'est, alors. C'est bien parce que c'est très rapide à creuser, par contre c'est du monobloc, contrairement à l'autre. Ah ouais. Oh, ça te permet d'être précis dans la découpe. C'est ça qui est beau. Bah pas tant que ça, parce qu'avec la distance qu'il y a, tu peux rapidement dépasser. Ah merde, d'accord. Ah mais en plus tu l'as même pas fouillé. Non, je fouille rien dans l'immédiat, je visite d'abord. Allons-y. Oh, Madame de Fontenay. Elle s'est réincarnée comme une fleur. Vous êtes une fleur, madame. Nishi. Oh, c'est mignon. Elle s'appelle Nishi, la miss. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose en japonais, pour le coup, vous voyez. Je prends rien du tout, parce que c'est ta station. Oh, mais non, faut pas. C'est pas grave, tu peux... Si. Ah, mais t'inquiète pas, parce qu'en plus, toutes les parts de mecha, moi, j'en ai je sais pas combien... Je suis un peu blindé dans tous les sens. Non, c'est pas Nayone en vocal, Benzaiten. Alors, Nayone en vocal, chez moi, vous le retrouverez demain pour commenter la promenade. Mais non, aujourd'hui, c'est Petit Seb, dans l'immédiat, qui a la gentillesse d'héberger le serveur de jeu Starbound. C'est mon partenaire de jeu Petit Seb que vous entendez. Voilà. Salut, Benzaï. Benzaï, j'avais revu, je sais plus quand, une rediff de moi, là, où j'essaye de faire les clips ou de voir que tout allait bien, et que j'ai constaté honteusement que je t'avais mis un vent. Je te présente sincèrement mes excuses. Tu m'avais posé une question, Benzaiten, à savoir si j'avais la collection de jeux Trine. Oui, je l'ai, mais je n'y ai jamais joué. J'en ai jamais lancé un seul. Je crois que j'ai la chance d'avoir au moins les deux premiers, peut-être les trois premiers, je ne sais plus. Mais je crois que j'ai les deux premiers sûrs. Tu m'avais posé la question il y a 15 jours, 3 semaines, et je l'avais complètement zappé. Ah oui, j'avais pas vu. Lui, ah d'accord, comme c'est une station de bouffe, il te vend des rations de bouffe, et il t'achète des parties d'armes. Oui, donc il y a la station d'armes qu'on n'a jamais eue. Mais ça, tu vois, faudrait presque qu'on se garde des... On se garde quoi? Qu'on se bookmarque les stations qu'on trouve. Ah...
Je crois qu'on peut pas les marquer puisqu'elles sont mobiles, justement, elles sont éphémères. Attends, je vais aller essayer sur la mienne. Si, tu peux les bookmark, les stations. Ah, pardon. Mais les stations sont pas éphémères, elles restent dans le système solaire où elles sont. Ah, je croyais qu'elles bougeaient, elles. Ah, bah non, t'as raison, c'est pas logique. Elles tournent autour de la planète, mais une fois mises en place, elles y restent. Hein. Oui, non, mais je suis un gros négo, c'est tout. Non, mais tu fais bien de préciser, je dis des inepties, moi. Oh, merci de m'avoir corrigé. Non, c'est vrai, c'est logique que la station orbitale bouge pas, c'est pas un vaisseau. Sinon, elle aurait la forme d'un vaisseau. Voilà, j'ai bookmark la station électronique. Ensuite. Ah oui, bah justement, j'avais changé de système solaire pour visiter, pour trouver. Ah, chef Christo, bonjour chef. Vous avez quoi dans le frigo? Acquisition de bouffe. Contrôle hygiénique, je réquisitionne tout. Non, je peux pas. Je peux peut-être pas parce que je suis pas dans le même système solaire. Attends. Hop là, changement de système solaire. Oui, 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 tu peux suivre Benzaï, tu peux suivre effectivement Petit Seb. Attendez, bouge. Je vais faire la rapide, pardon. Le signal vidéo saute, le temps de revenir à l'écrit dans le. Bah, mon clavier est en PLS. Pourquoi il m'a refusé ma saisie, cet idiot? Oula, j'ai un bug du clavier. Les lettres s'écrasent. Attendez. Elle a tout cassé son clavier. Ah ouais, alors attendez, faut que je débranche et que je le branche. Là, j'ai l'USB qui déconne. Ah bah elle est pas mal celle-là. D'ailleurs, je vais tirer le câble pour le faire passer ailleurs. J'ai trop de tension dans le câble. Salut Aero. Ah, bonjour Aeroster. Hallucinant. Question carton. Je jure, c'est inadmissible. Oh écoute, on fait comme on peut. Et non mais attends, mon clavier ne... Je peux plus faire de saisie clavier. Non mais c'est une blague? Ou c'est mon logiciel qui déconne? Attendez. Pardon, hein, du moment de flottement, mais là j'ai un souci technique. Ah non, c'est mon logiciel qui déconne. C'est pas le clavier. Bah merde alors. Bah tiens, du coup je vais faire la commande là. Et puis je vais l'exécuter. Hop là. Hop. Voilà, oui, bonjour Aerostar. Voilà, vous pouvez suivre le signal de Petit Seb en même temps. Alors que je suis en train de crever de faim, je suis en train d'entendre mon perso qui bibipa de famine. Dans une cuisine en plus, dans un resto, c'est une honte. Tout un symbole. Attends, oui non, le sigle, je l'avais. Ah oui, ta propre station spatiale. Oui, il faudra que j'essaie de la faire, la mienne aussi. 50 titanium, 50 or, 50 argent, 1000 pixels. Ouais, il faudra que j'essaie de. Attendez voir. Quelqu'un me donne la technologie pour déployer, et puis j'irai déployer dans un système solaire que je. Ouais, donc là on peut acheter des ressources médicales et on revend et il rachète des stations, des trucs de boue. Bonjour Nayane. Ça c'est bien. En vrai, pour se faire de la thune, ça peut être rapide. Tu prends ta thune, t'achètes tous des trucs à 50, tu vas dans l'autre station, tu les vends tout à 200. Oui, ça peut être une astuce, bien sûr. Ouais. Nayonek qui est en cuisine, oh là là, fin cuistot qu'il est. Alors en parlant de cuisine, vous allez me voir saliver, mais oh là là, je vais être dans tous mes états de plaisir, pardonnez-moi du peu. Demain, vous verrez la séquence où je savoure la. Non, bâtard! Salade taboulée que m'avait offert. Putain de merde! Offert Nayonek.
durant la promenade. Qu'est-ce qui t'arrive, de mon pauvre con. Petit cèpe? Oh, j'ai mon pet qui me fait chier là dans le vaisseau. Oh. J'ai fermé, tu sais, tous les petits animaux pacifiques là, tu sais, que j'ai récupéré. Oui. Et ben, ce con, au moment où je passe, il se met sur la porte, je peux plus la fermer, donc les autres ils se baladent n'importe comment ah. maintenant. Un incident à la. Digne de. Metroid. Ah, Edge, bonjour. Ah, tu as raison. J'ai oublié de changer la catégorie. Merci de me le notifier, Edge. T'es observateur. Je vais encore merder ma saisie. Ah non, là, ça revient. Bon, c'est n'importe quoi. Alors, attendez. Tu as raison. C'est j'ai ça oublié. Que je... Normalement, ça devrait se changer en Starbound, si je vous dis pas de bêtises. Comme ça, je sais plus. C'est une vieille commande que j'avais mise en place. Et normalement, ça devrait. Je sais plus. Bon, mince, ça a pas l'air de réagir. Je vais faire dans OBS. Eh oui, c'est vrai. Oh là 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 là. C'est bon. Comme un samedi matin. À défaut d'un dimanche matin. Eh oui, très bien vu, merci. Ou cette game, exact, Ayotor. Oui, c'est cette game. Mais j'avais fait une commande, non, pour pas saisir tout ça. Et je sais plus si c'était mon tirer flèche, il faudrait que j'en revoie. Pour faire plus simple. Oui, c'est vraiment live en carton, hein, Benzaï. Non, mais. Merci, Benzaï, pour ton follow. Je suis navré du. Je fais n'importe. Mais merci, c'est gentil. Je teste un truc. Oui. Je casse tout mon vaisseau. Oh. Je suis intrigué. Ah, j'ai toujours pas rangé le. Tête de tigre là que j'ai pas. Je me suis toujours pas changé. Attendez, j'avais des fringues dans le vaisseau aussi que j'ai jamais rangé. Salut. Ah, bonjour Edge. Salut Edge. Comment ça va? Ça va, merci. Ah, ça va et toi? Bah ouais, ça va, tranquille. Allez, on lance le jeu. Bah c'est bien, c'est cool. Attends, j'essaie de me mettre une tenue ridicule. Eh, hey, pas si ridicule que ça, il y a quelque chose. Me met des épaulettes. Bof. Ah, c'est le premier fringue de l'institut. Oh voilà, j'ai tout cassé mon vaisseau. Ah non, c'est pas ça. Merde. Ensuite, je vais déployer mes pixels histoire de devenir riche. Je suis dans la partie. Ah, c'est bien. Putain, c'est pas mal. Je suis aujourd'hui l'Égyptien fulminant. J'adore ma tenue. Trop bien. Eh ben, c'est très un bien tas aujourd'hui. D'objets pour vous. Wouh, merci, on est encore gâté. J'ai trouvé un codex hyper rare. 255 000 de thunes sur moi. J'ai peur, je vais tout perdre. Attends, moi je vais essayer d'avoir ma station orbitale. Elle a dit quoi? Elle a dit 50 lingots d'or. Ah bah je les ai pas, merde. Faut que j'en termine. Hein? Mais oui, je sais, je crève la dalle. Alors, maintenant que j'ai 150 000 de thunes sur moi... Attends, tu manges mes trucs. Il faudrait que j'aille miner. Tiens, celle-là, j'ai jamais exploré. Allez hop, en espérant qu'il y ait de l'or sur cette planète. Bon, du coup, j'ai bookmark la station électronique et la station de recherche médicale. Ah merde, Benzaï, t'as pas dormi de la nuit. Oh, quelle horreur. Oh, ma pauvre, je te plains. C'est chiant, tu dois te sentir et... complètement... Je viens d'améliorer mon vaisseau au maximum. Oh là 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 là, énorme. T'as pas un succès qui est lié à ça, d'ailleurs? Ouais, mais s'il y en a un de succès, j'ai déjà dû l'avoir parce que...
Oula, oui, effectivement. Ah oui, t'as plus Parce là. que, tu sais, sur mes précédentes parties, j'ai déjà dû... Mon Dieu. C'est Pardon. encore plus fort que moi là de. Wouh! J'ai déjà dû finir le vaisseau plusieurs fois. Hein. Ah bah bravo. Non, moi je crois que je suis jamais allé jusqu'au bout. Je sais pas si je le ferai avec vous, je sais pas. Peut-être tout doucement, ça viendra. Oui, scanne mes trucs, n'hésite pas. Non, c'était voulu, j'ai regardé la saison 1 de Vampire Diaries sur Netflix. Ah ok. Ok. Non, moi j'ai eu trouble du sommeil. Je me suis encore réveillé à 3h du matin. Pourquoi? Mais là, ça devait être quelqu'un dans le voisinage qui jouait les prolongations. C'était complètement abusé. J'étais réveillé par un bruit de basse, de musique de boum boum boum. Dans ma ville, il y a les Nancy Jazz Pulsation. Ah oui. Oh là là, Ah n'importe quoi, Edge, mon Dieu. oui. Aïe aïe aïe. Il est déchaîné. Attends, je descends à la surface de la planète, je vais aller essayer de récolter un peu d'or. Parce qu'il me manque de l'or pour Politique. ma station orbitale. Si tu veux, j'ai un plan pour toi. Ah bon? Oh merci. Oui, c'est pour ça que je venais te voir. Attends. Ouais, c'est comme ça. Le Nancy Jazz Pulsation Viens. depuis qu'on a notre nouveau maire. Oh merci Edge. J'ai l'impression qu'il a autorisé. Est-ce que. Ah je l'avais pas, merci. Ah non, si je le connaissais déjà, pardon, je dis des bêtises. Mais c'est pas grave. Ah. Bah si tu veux, tu peux le revendre. Vas-y. Ouais. C'était ta trouvaille. Merci, Edge. Je pense qu'il a autorisé le nouveau maire de Nancy à ce qu'il y ait de la sono plus forte. La ville ne dort plus. C'est même pas la peine. Et j'étais réveillé plusieurs fois dans la semaine et c'est chiant parce que ça flingue le sommeil. Et là encore cette nuit à 3h du matin, j'avais des boum boum boum. En plus j'avais le vent qui s'était levé, alors ça faisait claquer des volets. Alors, Benzaï Tendi, je sais, Vampire Diaries, c'est une série très teenager, mais j'aime bien. Oui, non, mais l'essentiel, c'est que tu trouves ton plaisir. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ah, purée, ils augmentent encore la taille du cockpit. Je sais pas ce qu'il y a à l'arrière-plan dans le décor, c'est. Ouch. Attends, je fais d'abord la surface parce que surtout de jour, il y a des trucs à récolter. Oh, c'est bon ça. Bah oui, c'est de la matière à récupérer. Ah oui, mince. Oui, surtout que j'ai quasiment pas pris. Si j'ai mon arme principale. Oula. Oh là 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 là. Oh, structure. Ça annonce une ville ou pas? Non, c'est juste au milieu de nulle part. Ok, je vais descendre poser ça. J'ai un vaisseau immense. Il faut que j'aille voir le sage pour lui donner tout ce que j'ai récupéré. Ah, Benzaï Ten qui fait des critiques de séries là sur principalement Netflix, qui dit, par contre, je sais pas ce que les gens trouvent de bien la série Lupin avec Omar Sy. Elle est vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Me prononce pas, j'ai jamais vu. Bah écoute, moi j'ai regardé pour l'instant juste le premier épisode de la série. Et franchement, je le trouve bien. Je trouve ça très bien fait. Voilà. Mais après, à voir, je sais que j'ai d'autres personnes qui trouvent l'humour et qui trouvent qu'il y a un peu trop d'humour bof français dedans. Mais moi, j'ai pas vu ça dans le premier épisode. Pour l'instant. Alors, on va voir quand je vais regarder la suite. Mais y a rien, ou... C'est le vide. C'est beaucoup de désert, elle disait. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Alors j'ai pas fait exprès, mais je l'ai tenu approprié, moi. Non! Oh là, il est fou. T'es en train de faire Là, quoi, là? en fait, y a un mini trou qui fait que je Ah, peux pas. exact.
J'ai envie de creuser. Vas-y, creuse. Attends, je vais t'aider. Donc, tu te crois dans un western et t'es en train de... T'as voulu que je vous aide, là? Oula, oula, voilà. Oula. Waouh. Mais qui... Le sage. Qui y a? Tiens, j'ai beaucoup de ça, j'ai 60 de ça. Oh la vache! Quoi? J'ai ça. Je suis jaloux? J'ai ça. Ouais, mais en fait, je les file au sage parce que je sais qu'il a bientôt fini son amélioration et puis après, ça sera tout pour toi, AJ. Ah oui, par ordre d'arrivée. Oula, il y a tellement de trucs que j'ai plus de place! Au secours, faut que je vide mes poches! Oula, oulala! Je t'ai même pas encore tout donné. Attends, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, vaisseau, viens, retourne ouais, à ton vaisseau ou chez toi vite fait. Et après, je te rejoins, puis... Ouais. Alors, Benza qui te pose une question, tu penses regarder le film français Les Voleuses sur Netflix qui sort le 1er novembre? Écoute, moi Netflix, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et du coup, j'ai pas. Je connais pas tout en fait. Encore, et puis je. Voilà, Netflix, j'y vais, je regarde au jour le jour. Tiens, j'ai envie de regarder ça, je regarde. Donc, je prévois rien en vrai. Parce que je passe tellement de temps au stream ou au taf que de toute façon, j'ai un peu de mal à suivre. Ouais, bah. Alors attends. Hop. Hop. Tu feras gaffe à ta vie, le sage aussi. Oui, je vais manger un morceau, t'as raison. Alors, ensuite, tu as ça, un plan de mecha. Je sais pas si tu l'as, tu le donneras à AJ. Il y a un plan comme ça, hop. Ah, j'avais une autre cape sombre, mais je vois que tu l'as déjà, parce que j'ai dû déjà te la donner, donc je la donnerai à AJ. Et j'ai cette arme là. Tu sais, l'arme unique, tiens. Parce que j'en ai trouvé deux de plus, j'en ai déjà donné une à AJ. Ah oui. Et j'ai trouvé cette arme unique là en double, donc je te la file. Je m'ai arrêté là parce que j'ai trouvé une ville, ou une installation. Oh, c'est cool. Putain, c'est énorme ce truc. C'est télécommandé, normalement tu fais clic droit pour le faire exploser. Oh, c'est pété, j'adore. Oh là 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 là. Voilà, voilà. C'est abusé, merci tout plein, petit Seb. Bon, oh là là. Bonne soirée. Ah, c'est pas une ville, c'est un campement Apex. Attends. Ah, mes frères. Pudiquement, excusez-moi, il faut que je me mouche, 30 secondes. Copain, je vais scanner leur drapeau, fais gaffe aux barbelés. Ah, tu peux y aller, hein, la ville est pacifiste, hein, tu peux y aller à fouiller. Ouais. Mais ça, je l'ai déjà vu. Et reviens là, toi, je suis sûr que t'es un marchand là. Non? Pardon. T'es pas un marchand? Non, voilà. Ah, le mec il a un sac à dos et tout. Ah, si, voilà, c'est un marchand, c'est pas ce que je disais. Defector Mask. Ok. C'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Ça me fait penser à déféquer, c'est pour ça. Aïe. Attends, je reviens avec lui parce que lui il vend un truc qui m'intéresse et je vais vérifier si je l'ai pas déjà. Oh la vache, j'ai de ces trucs. Mais moi aussi il faut que je fasse un tri dans ce que j'ai et tout. J'ai un tout petit peu d'essence à mettre dans le vaisseau. J'ai trouvé 5 litres. Non, c'était pas là que je voulais aller. Alors, merde, j'ai bu un truc.
Hop, je cliche, je téléporte à côté de Jeff. Alors, Benzaiten, un type avec qui j'étais, que j'avais sympathisé sur un direct de Marbles. On s'est repris en message privé Discord. On avait des points communs, on s'entendait bien. Il me dit qu'il, oui, reste, tiens, qu'il lui reste un compte Netflix de vacances. Et si j'étais d'accord pour qu'il me l'offre, évidemment, j'ai dit oui. Oh, un beau cadeau, Jeff. Ouais. Faire attention quand même, ce genre d'offre. Oui, il y a des documents, ouais. Tu fais oui, il doit y avoir des documents qui traînent, un tas de trucs. Ah, je l'ai déjà. Tu le veux, Sage? Ah, vas-y voir, s'il te plaît. Quel est le document secret? Je sais même pas si je l'ai lu. Alors, info sensible ou pas? Ah, je connaissais déjà. Tu veux que je te le restitue peut-être? Ouais, s'il te plaît. Touk. Oui, je le rangerai dans ma caisse. Oui, tu as raison. Oh, ouais, ok. J'ai quoi cette ambiance discothèque? Ah oui, c'est les bon. Rebelles. Il y a des. Oui, c'est les rebelles, hein. C'est pour ça qu'ils sont non pacifistes. Il y a des coffres cachés sur ce genre de campement, mais qui sont difficiles à avoir. Oh. Pas parce qu'ils sont bien cachés, mais justement parce que si tu détruis un truc, tu commences à te faire engueuler. Ah. Un codex pour toi, ça, je suis. C'est pas vrai. Oh là là, Missy. Ah, je l'avais pas celui-là. Bien joué, merci. Mais à moi alors. Oui, y en a si le sage je l'avais pas, il y a des chances que je l'ai pas non plus. Il est où ouais. Ah merde, je crois que c'était toi. J'ai balancé le bouquin, hein, rebelle. Ah, te voilà. Tu es là. Attends, bah du coup, faut que je le resélectionne et que je le rebalance. Bon. Mais bien sûr, Benzaiten. Non, mais t'es libre de tes mouvements. Vas-y, Benzaiten. Il y a plein de cocktails Molotov. On se demande ce qu'ils font avec. C'est des rebelles, hein. Ah, j'avais pas la statue décapitée. Ouais, y a personne. Salut. Les gars, j'ai creusé un trou. Oui, je vois. T'as trouvé du pétrole? Non, mais il y a un coffre caché au fond. Oh là là. Ça, j'y avais pas. Petite barre de tension. Bah, venez voir les coffres cachés. Ouh. J'ai creusé à l'arrache, mais... Ah non, moi, je suis mon vilain, je m'enfuis loin du camp, en fait. Parce que mon but est de chercher de l'or un peu en profondeur. Merde, je suis tombé dans les pics. Ouh là là, le mec a tout faux. Je te laisse ramasser, hein, et tu es. Voilà, il n'y a plus de pique. Ah bah voilà mon entrée d'excavation. Moi qui veux chercher de l'or. Y'a de l'or. Y'a de l'or sur cette planète. Ah mais hein, il est agressif cet idiot. J'avais pas vu qu'il me chargeait. Ya. Je vais rejoindre le sage. C'est le carnage. Là, je suis en mode baston. Je passe après. Il y avait un autre. Ils sont ouais, là. Hein. Sacré bestiaux. Oula.
Yeah. Ah, il y en a encore un. On va le faire tomber. Ah ouais, là quand il dort, il est intouchable. La seule fois où tu peux les avoir, en fait, quand ils sont en position de défense, en léthargie, en train de dormir, c'est il faut que tu leur aies appliqué un effet négatif avant, tu sais, comme un empoisonnement ou un jet d'acide. Ouais. Sinon, ils peuvent pas mourir dans cet état de stase. C'est bien pensé, je trouve, c'est excellent. Oula, t'as touché le fond et j'ai... Oh ! Une structure ! Moi, je suis reparti sur la mission principale. Oh là là, alors que moi, je vais faire un petit fossile. Nah. Je ne résiste plus aux fossiles. À moins que tu veuilles le faire, Edge. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, mon petit pinceau. Et donc, la mission principale que l'on n'a pas faite... Oui, je vais te rejoindre, petit Seb, je sais, tu n'attends que ça. Le chasseur de primes. Le chasseur de primes. J'en ai fait aucune du chasseur de primes. Est-ce que t'as déjà fait la mission d'aller le voir à sa station? Je crois pas. Moi je l'ai fait par contre. Ah bah c'est bien. Bah si vous voulez, on peut la faire tous ensemble la mission. Oui, ce serait sympa, je pense, de faire comme ça. Attends, j'ai déjà. Ah là. Donc, ouais, et du coup, oui, parce que dans les dernières missions, il y a des objets à scanner et des plans à récupérer. Waouh. Pourquoi me faire chier moi, Benzaï? Va embêter le sage, là. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est que cette station va se modifier au Peacekeeper pour qu'on puisse avoir un téléporteur, parce que là, pour l'instant, t'es obligé d'y retourner avec ton vaisseau. Mmh. Salut, Christella. Un torse floran. Bonjour, Christella. J'ai plus de voix. Salut, Christella. Je crois que c'est mieux avec des torches. Voilà. Oui, tu veux qu'on te rejoigne maintenant? Bah, je suis à la station du Peacekeeper, donc vous voulez prendre la mission, ça sera le plus simple. Bah, tu m'étonnes. Alors, attends, faut qu'on monte à la surface, CJ, parce que voilà, là, signe de téléport. Oui. On est juste à la limite. Ouais, je sais où il est parce que je l'ai déjà fait, mais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, si tu te TP à moi, t'as pas besoin en fait de déplacer ton vaisseau ou quoi que ce soit. T'es directement à la station. Je crois que j'ai fait une ou deux missions du chasseur de primes. Ah, mais t'en as déjà fait zéro. Mais de tout. Mais moi aussi, j'en ai fait. Alors, j'en ai déjà fait 2-3 dans une autre partie, mais sur celle-ci, j'en ai jamais fait effectivement. Bonsoir. J'arrive version agressive. Mais qu'est-ce qu'il est violent cet NG. Oui. Je suis violent. Bon alors, Christella, comment ça se passe sur Daymar? Tu survis? Faut parler au tableau. Enfin, ah bon, d'accord. Oui, tu dois parler au Peacekeeper pour valider la mission de venir le voir et ensuite c'est l'écran qui te donne les. Ok. Captain Ignoble. Ouais. Captain Ignoble, besoin de localiser d'après. Mais non, Benzaï, ignoble. Moi tu peux rester, hein, ça me dérange pas. Hein. Ah, c'est rigolo. Moi je dois traquer Captain Ignoble. Ah, tu vois Christella, moi je l'ai vraiment kiffé aussi, hein, Daymar. Mais je pense que là je vais attendre des soldes Steam d'Halloween. Et je vais voir, il y a plusieurs jeux dehors qui me tentent bien là, dont le nouveau Daymar, je vais voir s'ils sont en réduction. Pourquoi j'y ai pas accès? Ah bon, bah, quand tu lances le tableau, t'as rien du tout? C'est vide? Ouais, c'est vide. Ah merde. Peut-être parce que c'est le mien et que du coup la mission, toi tu l'as déjà faite.
Je sais pas. Parce que moi, il me dit d'aller voir celui à Corvi Rift, mais je crois pas qu'on y soit. Ah, non, 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 bah non, on n'y est pas du tout. Oui, ça veut dire que t'as déjà, en fait, t'as déjà pris une mission. Ouais. Oh, je pense que tu pourrais te téléporter à nous pour la refaire, en fait. Tu peux peut-être tordre un peu. Oui, oui, oui. Alors, voyager jusqu'à machin. Oui, parce qu'en plus, faut voyager. Oui, je rappelle que je suis encore dans un week-end, entre guillemets, en PLS au niveau du matos. Pas de patoun, pas de chapeau et pas de PlayStation. Je suis désolé, hein, mais j'ai encore rien œuvré là-dessus. Oh là là. Je pense que tout ça, oh là ça reviendra en novembre. Je donne l'info à mon public avant qu'il y ait une demande spéciale. Là, je me dis désolé, mais je peux pas les honorer. Tu dois aller sur quelle planète, toi, le sage ? Murfrid Minoris 4. Murfrid ouais. Minoris 4. Bon, bah j'y suis. Hop. Ah, je suis en train de me TP dessus, donc du coup, voilà. Ça y est. Alors, votre cible peut être n'importe où sur cette planète. Pourquoi, pourquoi je vous... Quelqu'un part à gauche et quelqu'un d'autre part à droite, c'est ça, comme ça. Non, 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 non. On va faire ça ensemble, c'est mieux. Ah bon. Moi j'étais parti. Bah je veux ça. Je récupérais juste le coffre. Vous voulez partir de quel côté? Sinon, si vous voulez utiliser votre méca, vous pouvez vous TP à mon vaisseau. Hein. Mmh. Droite ou gauche? Alors attends, je vais marquer le début de la planète. Oui, tu as raison. Go à gauche. Attends, qu'est-ce qui marque le début de la planète? Eh bah, tu colores ça en rouge, allez hop. J'ai mis une torche. Par exemple, allez hop. Moi je te fais un énorme truc en rouge. Je change de couleur au milieu, je te mets du bleu et je te mets un petit trait de vert. Allez hop. Magnifique. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais j'ai allez, pété ça un y coffre. Est, ça me prend. Je fais ma Valérie d'Amido. Là, je vais mettre du mauve. Voilà, ça c'est personnalisé. On voit que c'est le départ de la planète. C'est beau, toutes ces couleurs, c'est beau. Ah oui. Les plantes, oui, c'est intéressant. Oh, un bédouin dans sa baraque. La fille. Est-ce que le bédouin s'appelle Obama? Non, la blague. Non mais tu l'as tué? Ah non, il est là. Ah. Non mais je suis pacifiste. T'as vraiment cru que j'allais tuer un bédouin? Pas, je tue pas. Ah oui, pardon. J'ai pas tué un bédouin. J'ai cru. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, parce que j'ai la boussole qui pointe. Oh le coffre de fou furieux que je viens de trouver. Ah, ah le mec il pique mes affaires et tout, t'as vu ça? Ouais. On repart à droite. Ah oui, ils étaient légèrement sur la droite, effectivement. Heureusement que Petit Sep a regardé la boussole. Effectivement, ils sont sur la droite en profondeur, apparemment. Ouais, attends. Je vais venir creuser, tu vois. Merde, le puits était vide. Alors du coup, je me suis fracassé au fond. Je croyais bêtement qu'il allait avoir du liquide pour amortir ma chute. Bah, nope. On est dans un désert. Ouais. Il aurait pu y avoir du pétrole au fond. Nah. Raté dans le désert de Britolata. Soigne-toi le sage. Oui, j'ai mangé, j'ai la vie qui remonte tout doux. Mickey, okay. Mickey. Ah, un agresseur. Oh, de l'argent. De l'argent précieux. Oh, si vous avez de l'or, je prends. Oh, du tungstène, ça c'est vas-y, bon. Vas-y. Bah, moi j'ai de l'or, mais je le prends. Vas-y, Jay. Ouais. J'aime le tungstène, je sais pas pourquoi. Moi, c'est du fer. J'ai pas de fer. Moi, j'ai pas de. Aussi, oui. Papa, pourquoi je fume aussi? Ah oui, c'est la cape noire. Mmh.
Parce que tu es fumé d'impatience, CJ. Ah là, il y a de l'or dans le mur derrière moi. Oh, ah oui, Mickey, tu veux. Oh là là, ce bruit de laser. Oh, une structure. Oh, ça c'est du fer, c'est pour moi. Fais gaffe, c'est peut-être lui. Ah. Non, c'est pas lui. Morler, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi il garde son lit, le monsieur? Quoi, il veut quoi? Il veut des jarres vides. Il est juste là. Ah, oh, il veut faire de la confiture avec une jarre. Ah, oh, je suis désolé, j'en ai pas. Ah, oh, c'est dommage. Oh, un lampadaire que je n'ai pas. On peut peut-être lui donner un fruit. Tiens, fais de la confiture avec les fruits, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais eu ce terminal à l'écran rouge. Il faut analyser là le truc sur le mur. Oh. Oui. J'ai. Oh, c'est un jeu d'enquête. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il se ramène là, lui? Bébé. Je sais pas, il se promène, le monsieur. Voilà, moi je dois changer de planète, vous en êtes où, vous? Comment ça, tu veux changer? Ah bah oui, c'est la suite de la... Oui. Mais est-ce que t'as bien la suite de voyager jusqu'à... Oui, jusqu'à Marvel Minoris 5. Oh mon dieu, il y a des rebelles. Il y a des vilains. Bien joué, les garçons. Mickey, il y a du pétrole. Il y avait... Bon, je sais pas si on va pas descendre tout en bas si on se barre déjà. Moi je me casse, hein. Ouais, j'ai compris, on trace au niveau des quêtes de... Oh mon dieu, même là j'ai fermé. Alors, la suite, elle est où? Je vais prendre un échantillon de sa construction. Et parce voilà. Que je suis sûr que je l'ai pas, le truc de vis infini. Attends, vas-y voir. Ah si, je l'avais. Si, je connaissais déjà la recette. Il faut du fer pour le... Tu m'étonnes. Petit carré de merde. Ah, je voulais échantillonner, mais... Quoi? Ah oui, c'est le force, oui, le fossile de torse de Floran, ouais. Alors moi ce que j'avais pas, c'était la lampe. Moi j'avais pas la lampe et j'avais pas le carton de déménagement. Et il est passé où l'autre? Bah ah, il est descendu. Ouais, c'était lui qui s'était barré en bas. Il y a de l'argent là. Signal, il faut qu'on monte un peu plus. Oups, le mec il fait du 150, on met où? De dégâts, ouais. J'étais pas passé par là. Ah, on peut se téléporter. On capte de nouveau le signal de téléportation de nos vaisseaux en orbite. C'est ça qui est beau. Impeccable. Donc je change de planète et j'arrive. Ouais, bah je te laisse aller dessus, on se téléportera à côté de toi. Oh là, il y a de ces trucs. C'est la folie, Ouais, faut que j'arrête, j'ai trop de flingues, j'ai trop d'armes spéciales. Je les dépose parce que ça encombre mon inventaire pour rien. Et puis il y a aussi le jeu qu'avait fait Christella en horreur que je voulais faire aussi, là je me souviens plus comment il s'appelle. Les âmes tourmentées, Tormented Soul. Non, celui-là, moi, je l'ai fait en off, mais du coup, ça m'intéresse pas de le refaire, tu vois, en stream. Je suis en train de me TP sur la planète. Ça m'intéresse pas de le refaire en stream, parce qu'en fait, j'ai déjà fait, quoi, tout simplement. Voilà, je suis arrivé. Voilà, je me téléporte à côté de toi.
Ah, attends. Attends. C'est pas celui-là. Toi, tu dégages. Non, mais... Oh... J'ai eu une autre stat. Et oui, un coffre. Ah. J'ai tout le coffre. Bah, prends le module. Biggie. Oula. Il roule dessus. Oui, c'est... Attends, j'ai pas celui-là. Attends, il est bizarre, il a un casque de mon espèce. Oui, tu sais, c'est les crabes avec des crânes. Il y a le crabe avec un crâne, mais après, il y avait le crabe avec un crâne humain, un crâne de robot, un crâne... En fait, il y a toutes les races. Qui passe. Vous de Dieu. Soit... Vas-y, dégage. Il a crié Ainga. Ça doit être une tribu indigène. Et B. Et Jay des méchants, il pille tous mes coffres. Mais t'as tout ce qu'il faut. Ah, c'est faux. J'ai pas assez de thunes. Comment ça? J'ai pas assez de thunes. J'avais 150 000, je viens de tout dépenser pour améliorer mon vaisseau. Oh. Ah, des molotovs, ça c'est pour moi. Tu vois? Oh merde. Je pensais pas qu'il allait sortir de la grotte. Après oui, les tech cards et les upgrade modules, de toute façon, finis par vous défiler, donc... Miggy... Attends, t'en es où avec tes upgrade modules, d'ailleurs, le sage? Je sais pas, mais je viens de découvrir un endroit qui me plaît beaucoup. Une piscine égyptienne, on va dire. Ou un gros bassin. C'est beau. J'ai envie de poser un Mac et de m'installer ici. Ça veut dire qu'il y a un temple à Vien. Blablabla. Ah, c'est à Vien, ça? J'aime ouais. Bien. Ah, oh, c'est machin. C'est excellent. Ah oui, les grandes plumes, c'est Avian. Attendez, j'arrive. Ah oui, viens, Jess. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beau. Alors, comme dit petit Seb, qu'est-ce que je peux améliorer? Mettons là la fenêtre. Et là, mon inventaire. Observons. Petit Seb a été généreux. Ah merde, je les ai rangés dans le vaisseau. Ah, il faudra que je le fasse dans le vaisseau. Je crois que j'avais tout sur moi. Remarquez, c'est plus prudent. Si je venais à mourir... Mais... Les laisserait pas tomber au stand. La petite Edja dissident, là. N'importe quoi. J'avais même pas fouillé le temple, hein. J'ai juste mis un drapeau et... Aïe! Il a fait un. Sauvé par le gong! J'ai commencé à creuser un trou un peu plus loin parce que il est sous moi le méchant. D'accord. Attends, faut aider Jay, c'est la guerre. Oh mon dieu, j'ai cru mourir, la guerre. Bordel. Pardon. Eh, je dors. Oui, il fait dodo sur l'hôtel. Moi, la bouffe, le problème c'est que j'ai pris des ingrédients de base, j'ai pas fait de plat sophistiqué. Alors je les bouffe très vite et ça me fait peu de gains de nourriture. C'est triste. Bah si tu veux, j'ai ce qu'il faut. Là ça va, merci. Mais la prochaine, à mon avis, ça va. Oh, je me fais agresser. Bon, désolé les mecs, je vous pique votre lit. Oui, non mais c'est ton droit le plus absolu. Bon, bah je vais creuser à travers le temple à Vian parce que c'est en dessous, voilà. Moi, mais venez sur le côté, hein. Les gardes. Ah oui, non, mais je suis pas passé dans le temple, hein. Je suis passé à côté, hein, vraiment. Non, bah nous aussi, avec AJ, on est en train de le déboîter. Ah, moi, je suis allé jusqu'au-dessus du mec avec la boussole. Et là, je suis en train de creuser tout droit jusque vers lui, hein. D'accord. Le mec, il veut voir arriver un mecha. Je vais lui tomber dessus avec le mecha, il va pas comprendre. Foreuse, ouais. Oh là là, je vois des choses.
Ah, ça c'est la foreuse qui s'appelle Petit Seb qui est passé par là. Le temps. Oh! J'ai jamais eu ce gong vierge de tout. Vous avez vu ce gong? Il est vierge. Il est lisse. Oh, c'est toi, AJ. C'est bon, c'est fini! Ah ouais, tu l'as appréhendé? Bah, je lui ai mis 2 balles avec le mecha, je pense à laquelle. Oh vache! Ah, j'ai. Est-ce que ça t'a mis. Oui, oui, on a tous le succès. Merci. Waouh. Oh merde. Je suis en train de tout déboîter chez les Avian. Que fait-il? Il démonte sa base, je récupère. Putain, tout. Ça descend encore. Oh, okay. Et comme base secondaire, ça me déplairait pas. Enfin, c'est assez labyrinthique, mais il y a de la surface. Oh, c'est beau. C'est trop bien dessiné. J'adore les idées graphiques, c'est du génie. J'adore ça. Moi, ce qui me rend fou dans le scénario, si vous observez la logique du jeu, les gardiens du temple, ils sont tout le temps dans l'obscurité. Il y a zéro source de lumière. Et ça les dérange pas, les hommes oiseaux, de passer leur journée dans le noir. Normalement, ils devraient finir aveugles, en fait. Sauf que... Non, je suis plein. J'ai plus de place. Qu'est-ce que je jette? Les planches. Mais où est passé le singe? Je suis, je présume, dans la salle la plus profonde du temple à Vienne. J'ai dû théoriquement toucher le fond. Je crois qu'il n'y a pas plus profond. Oh, c'est superbe, j'adore le style. En plus, j'ai la tenue qui va avec, donc je me fends la poire intérieurement. Et je croise Dalida dans les couloirs, ça me paraîtrait parfaitement naturel. La momie qui chante « Il venait d'avoir des ouettards !» Ça me choque pas du tout. J'ai la guerre ici, et j'étais pas Dalida. Pas de guerre. Alors, tous ces jeux de blocs que je viens de récupérer, il faut que je les range. Hein. Chibidi bidi bidi bidou, chibidi bidi yeah yeah. Ah oui, j'étais déjà passé par ici. Je récupère des trucs de déco parce que je suis en train de faire ma base accessoirement. Ah mais vas-y, c'est magnifique. Moi j'adore les grandes plumes chez les Avian, c'est trop bien. Je pense qu'à un moment je me ferai une pièce dans mon... Peut-être un salon spécial. Rien qu'avec une déco, les grandes plumes Avian, c'est trop stylé. C'est élancé, c'est aérien, c'est magnifique. Enfin moi ça me procure beaucoup de plaisir visuel. Blablabla. On est sous le noyé dans le bassin. Oh, je fais mes brasses. C'est trop bien. Ah, un Pokémon agressif. Vilain, va mourir. Ah, puis c'est pas comme s'il y avait toute la bande. Tiens, j'ai gagné du cuir. La 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 la. Quel est ce bâtiment? C'est l'équivalent des menhirs chez les Bretons. Aussi l'imagination comme délirante des créateurs. Une arme dont c'est des globes oculaires qu'il faut balancer en projectile.
C'est n'importe quoi, j'adore. Elle est là. Je me mets à courir. La 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 la. Mon dieu, mais c'est qu'il est pressé le petit Jet. Ah! M'avait peur. Ah! Mais t'as fini de me faire peur avec ton missile, lui. Oh, foufou. Mais, dissident. Tiens, je te fais peur avec mes nieux. Oh, regarde, il fait des loopings. Mais oui, je vois ça. C'est bien ça qui me fait flipper, justement. T'inquiète pas, il y a pas eu des guerriers. Oh, le foufou. Bon bah un vrai désert effectivement cette planète. Je comprends pourquoi le vilain s'est planqué là. Oula. Ah oui moi. Ah il y a des cultistes. Il y avait des cultistes. Ah tiens. Ah j'ai un poulet normalement de faire rôtir non. Ah merde je l'ai rangé dans un frigo peut-être. Est-ce que je te donne quelque chose? Oh, c'est gentil, mais là je m'en sors parce que je peux me faire 2-3 trucs cuisiner du coup. Ça m'arrange bien. Ah, la tempête de sable, c'est terrible. Ça va nous figer. Oui, oui, oui. Ouais, je vais devoir récupérer 3 modules blancs, je les finis là. Tiens, on arrive chez qui? Encore un bédouin? Et là, tu le réveilles. Coucou! Réveille-toi! Oh, tu pètes tout! Incantation! La grosse provoque. Ça va, t'as pas chaud? Le mec, il fait n'importe. Oh mon dieu, t'en rajoutes une rangée. Et là le toit de paille qui prend feu. Mais non. Il y a juste du sable qui tombe de son toit. Mais... Eh, j'avais même pas numérisé son lit. Ah ça y est, il est là. Ah, il retourne se recoucher. En gros, il vient de nous engueuler en disant « Mais arrêtez de foutre le boxon, moi je retourne me coucher. » Ah, j'avais même pas sa table non plus, dis donc. À numériser. Regarde, j'ai piqué sa porte. N'importe quoi. On fait n'importe quoi. C'est scandaleux. Ils sont pas sortables, mais c'est pas ça. Possible. Ah. Oui, c'est bien les fruits de cactus. Ah oui, il y a les renards de feu, je les aime bien, ils ont un design trop bien. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, les renards de feu. La tempête de sable. Ouais, elle est terrible. Hein. Elle est terrible. Bonjour, Olive qui tue. Oh, je suis content de te voir parce que je t'avais pas vu le week-end dernier. J'espère que tu vas bien, Olive. Salut, salut. J'étais vilain, j'ai pas pris le temps de t'écrire un message perso, Olive, mais... Je te laisse deviner que Arx Fatalis, j'ai continué le week-end dernier. Je sais pas si t'as le temps de voir ma rediff. Et la crypte. J'ai pas tout fait de la crypte, mais alors la rigolade et la flip. La crypte dans Arx Fatalis, totale découverte, j'ai adoré. J'y retourne demain hein, pour info au livre. Ah là 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 là. C'est trop bien. Tu l'as ce végétal, Edge ou pas? Je crois, oui.
En fait, si tu veux te faire un bonus d'attaque, il faut te faire des tartes avec ce fruit. Tu cumules ça avec du blé. Tu t'en fais des tartes D'accord. de spooky pie, enfin de tarte Je qui fait flipper. Le bonnet prends mot. tout, enfin, je détruis tout, c'est toi qui prends. Ouais, désolé. Attends, si tu veux, je te le restitue. Mais bah, je garde les fruits, mais je te donne la plante. Ouais. Voilà, vas-y. Tu Merci. mêles ça en fait Merde, dans j'ai la plus de place. récolte avec du blé. Et haha, inventaire plein, je crois. C'est pas perdu. Mickey. Oh Hey. merde, on se fait agresser par les autochtones. Donc tu mélanges le bonnet beau là avec du blé, t'obtiens une part de tarte flippante, spooky. Spooky Paille. cucu, ouais, pie, ça va être ça. Et ça te donne un petit logo de pattes de griffes rouges. Ça veut dire que tu as un bonus de dégâts quand tu attaques. Je suis chez le Peacekeeper si tu veux rendre la quête, le sage. Ah oui, il faut que j'aille le voir, oui. Oui, alors il faut que je me téléporte auprès de toi. Attends, j'arrive. J'abandonne le pauvre petit Edger. Non! Ah, t'es au De bout toute de ma façon, vie, je. Olive. Oh, Olive, merde, t'es claqué, Olive. Ah, là, t'as été épuisé ces derniers jours. Ouais. Bah récupère bien. Oui, il faut que tu regardes la rediff parce que j'ai beaucoup rigolé. En plus, j'ai fait un gros morceau. Justement, j'étais happé par le. Je reparle de Arc Satellix avec Olive, hein, pardon. J'étais happé par l'ambiance de la crypte et au lieu de faire une heure et demie de jeu, j'en ai fait 2 heures et demie, quoi. C'était tellement fou. Bon, j'ai un moment où j'ai ragé avec un Nilfide là. Les super boss que tu me dis à patater avec 3 boules de feu, j'y arrive pas. Et j'ai pesté pendant un long moment. Mais en dehors de ça, trop bien. La crypte, je la continue demain et je vais pas bouder mon plaisir. Par contre, On j'ai flingué retourne à toutes la mes torches. base. J'en avais une quinzaine, j'ai tout flingué, il faut que j'en rachète. Je continue ma base. Oui, continue ta base, Edge. Ouais, moi je vais rejoindre petit Seb. Petit Oui, puisque Biff. là on a 6 primes d'un coup. Oh vache. mais je vais prendre. Moi en fait je veux voir si t'as les mêmes que moi. Non, moi mon Et parce que. objectif du jour c'est. À mon tour, j'essaie de déployer ma station, mais j'ai pas les ressources qu'il faut, les mondes de l'or, j'ai pas assez d'or. Mais après, Laure, si tu veux, moi je peux t'enfiler. Hein. Ouais, éventuellement, merci, ouais. Alors je monte de niveau. Oh! Effectivement, j'ai six têtes à Alors, est-ce chercher. que t'as les mêmes que moi? Est-ce que t'as Vera, Oui. Zivafua, Oli, Oui. Oui. Angoupi, Nika Oui. et Improv Tomomi? Exactement, j'ai les 6 là, ouais. Ouais, voilà. Ben moi je veux faire le Improv Tomomi là, le celui De avec haute les valeur? trucs étoilés. Mmh. Ouais. D'accord. 1000 pixels, On 25. Ah, accepte. seulement 25 de rang alors que c'est un étoilé, pas terrible. Hein. Ah ouais, mais d'accord. Ah, crasse basine. Vache. Les autres c'est plus 5 de rang seulement. Ouais. Oh là 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 là, j'espère que tu vas pouvoir récupérer ce week-end, Olive. C'est même pas dans le même système solaire. Bon bah tant pis, c'est parti. Hein. Dis-moi combien il manque d'or, le sage. Je dirais facilement 20, je crois. Attends, j'ai 20 25 lingots ou lingots. J'ai du minerai, mais j'en ai. Ah si, j'en ai 16. Ah bah, attends, que je sais plus. Je crois qu'un minerai fait pas forcément un lingot. Il en faut 2, je crois. Attends, Oui, je c'est vais. ça, mais c'est il te faut combien de lingots, moi je te demande? 10 lingots, s'il te plaît. 10. 10 lingots d'or et j'aurai déjà l'or pour faire ma propre station. Alors attends, où est mon four? Après, je verrai les autres éléments après parce que j'ai pas comptabilisé le reste. Vite, mon four atomique que je prépare des lingots d'or. Oula, oui, j'ai plein de trucs à préparer. Alors pendant ce temps, mon truc de quête. Oui, voilà ta propre station. Voilà, il faudra 50 titanium aussi, il faudra que je regarde. J'ai bon espoir que le titanium, je l'ai. Les 50 de titanium.
Faut que je fasse non plus à me téléporter à la bonne personne hein. Maintenant. Oui, bah oui, 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 tu peux confondre. Fais pas attention, tu peux mourir, c'est tout. Bon. Oh merde! Je suis au bon endroit si tu veux me rejoindre. Piscredit machin. Oui, 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 oui. Voilà, tu les enchaînes à un rythme effréné, ou Didio. Ah bah, je t'ai dit que je vous les ai les enchaîner ce matin. D'autant ouais, plus que. Les deux prochains samedis, je suis oui, pas, t'es là, pas là, donc. Ouais, oui, bah, je ferai autre chose les deux prochains samedis. Ça changera un peu, ça cassera le rythme. Je vais peut-être mettre plus l'accent sur Far Cry 2 pour le finir. Hop là. Je pense que je ferai ça les prochains samedis. Moi j'aime bien monter tout en haut ou aller tout en bas, tu vois, avant de. Comme ça je peux me. Ah. Ouais. Comme ça je peux me décaler rapidement. La vache. Oh la vache, y'a du monde. Là je me suis posé. Ouais. J'ai trouvé le truc du méchant. C'est bien, bien joué. Moi, je m'amuse avec le menu frottin qui est en train de me défoncer. J'ai plus qu'à la moitié de mon énergie de méca. Aïe aïe aïe, il me percute, j'arrive pas à les esquiver. Ils sont nombreux, les salopards, ils vont me percuter. Ils viennent de partout. Voilà. Ah oh, mais si tu t'amuses à tuer eux, t'es mal barré. Hein. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais bon. Bah on fait diversion, hein, vas-y, va à la base. Prends l'énergie. Ah merci. Prends l'énergie. Eh Negi. Ah c'est ce que je te dis, monte tout en haut, regarde, monte tout en haut. Bah là on y est tout en haut. Et là décale sur le côté, sans te soucier des tourelles. D'accord. T'avances vite. Ah malin. Bah c'est comme ça que je fais. Malin, je m'arrête juste pour tuer les ennemis qui se déplacent et les autres. Ouais, t'esquives toute la troupe. Ouais, bah à force de faire des trucs en difficulté extrême alors que j'avais un méca moyen, il a bien fallu trouver des méthodes pour. Des subterfuges. Bah oui, c'est bien. À péter les. Bon, c'est eux qui vont s'amuser à me péter, mais. Oula. Bah, si tu prends en haut, le chemin est dégagé jusqu'à la station. Ouais. Non, mais c'est moi qui suis mazo là, je suis foufou. Oula. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment un repère de méchants, quoi. Ah ouais, il y a du peuple. Ah, non, mais même dans la station. Là. Bon, avec mon lance-roquette, je l'ai one-shot, mais. Maintenant, il y a des trucs à scanner. Là. Est-ce que ça t'a mis à jour, mis à jour la. J'ai pas fait attention parce que j'ai sélectionné une autre quête le coup de la station. Ah. Wouah, j'ai plein d'éléments que j'avais pas là. Oulala, là là, cette salle là avec les ordis jaunes. Quoi. Oh, j'ai bien le dessin de l'électronique là. En argent et or, c'est trop stylé. Waouh, même le casier tout pourrave, je l'avais pas. Je t'ai laissé des trucs dans le locker. Merci. Waouh. Oh là 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 là. Il y a le télescope à scanner au-dessus. Là. Oh, trop bien, Mickey. On a perdu le petit LG, on l'entend plus, qu'est-ce qu'il devient dans l'espace?
Ah oui, Alors, la légende raconte que personne n'entend les gens dans l'espace. Donc, dans l'espace, personne dans l'espace. Ouais. Ouais. C'est un clin d'œil alien. Ouais. Personne ne vous entendra hurler dans l'espace. Il y a quand même un chat dans l'espace, donc je me dis, avec un peu de chance. Donc tu l'as pas dans la gorge, tout va bien. Merci le petit Seb. J'ai un bon goût. Ils veulent me faire dépenser tout mon carburant. Je le savais. Alors attends, moi je refais le point. Alors je dois avoir 50... J'en ai 44. Pourquoi j'en ai que 44 des barres en or? Attends, je sais plus. Tu me les as donné, petit Seb, ta contribution généreuse ou pas? Oui. Je sais plus. Ah, merci. Mais tu me l'as donné directement ou dans un container? Ah non, directement. Bah, merde. Je suis passé, t'étais en train de faire ta fonderie et je t'ai filé les 10. Oh, merci, merci, mais... Parce que du coup, il me manque encore 6, ça me choque, je sais plus compter, moi, ou quoi? Attends, mais je dois en avoir ailleurs, attendez, j'ai un tel foutoir. Est-ce que tu les as mis à fondre sans les... Non, si ça te l'a récupéré. Ah, laisse tomber, j'ai du minerai que j'ai pas fait fondre, et pas qu'un peu. Okay. Bah, je suis sur la planète suivante. Hein. Oui, non mais d'accord, merci, mais attends, oula. Enfin, vas-y, petit Seb, je ne sais plus, je suis dans une confusion absolue. Mais non, attendez, oulala, j'ai un merdier dans mon vaisseau, j'ai pas regardé. Mais en fait, j'ai plus de ressources que je ne pense. C'est juste que c'est un tel boxon. Encore que là, non, c'est plutôt rangé, là, j'avais les fringues bien. Oh là 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 là. Oh, mais c'est une base repère de méchants ici. Trop bien, il y a plein de trucs à scanner. Attends, moi je vais me faire le coffre-fort que m'a offert le modèle Petit Seb. Mon imprimante 3D, elle est là. Mon imprimante 3D. Oh, c'est pas mal ça quand même. Oh, si, je les aime bien. Allez, je vais m'en faire deux. Je ferai le coffre-fort un autre jour. Une lampe, une table de chevet, un fauteuil. J'ai trop bien, Starbound. Ça ne s'arrête jamais. Nashadan dit Alien, je vais tellement le fumer. La 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 la, et la boutique que je suis a pas pensé à aller au four atomique. Pour obtenir les pieds, c'est pas grave, on va y arriver lentement. Regarde si ta quête a changé. Ma quête a-t-elle changé? A clue I found out in space has led me to Australis. Il me dit d'aller à Australis Minster 4. Ouais, ça a pas changé. Faut que tu viennes sur cette planète faire le scan pour pouvoir avoir la suite. D'accord. Alors, attends, je vide mes poches parce que j'ai beaucoup trop de trucs sur moi. Et j'arrive. J'ai vraiment tout et n'importe quoi, c'est assez affolant. Oh là 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 là, j'ai dit... Après, là sur la planète, il y a absolument zéro risque, hein, mais... Chic planète, l'enchant dessus, oh oh oh, pas rien. J'ai pas fouillé ça. Voilà, on attend le sage. Pardon, excusez-moi, je vous fais patienter. J'arrive, messieurs, j'arrive. Téléportation à côté de Petit Seb. Oh, quel endroit charmant. Oh, ah oui, j'ai tout en bleu. J'ai rien en fait. Oh, c'est énorme! Oh là là! Trop bien, c'est original. Regarde, c'est l'espèce de poubelle ici aussi. Les portes matelassées et pressurisées. Trop fort.
C'est des trucs de sous-marin, ça. Ouais, t'as des scans un peu partout contre les murs, là. Je sais plus où il est le ah bon, ouais, mais... La table en fer forgé, la lampe de bureau, elle est trop stylée. Oh, j'adore. Oh, désolé, mais le fauteuil, je vais vous le piquer, monsieur. Attends, laisse-moi les numériser, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'avais le canapé, mais j'avais pas le fauteuil. Donc c'est bon, tu peux y aller. Pareil. Ouais, c'est bon, tu peux récupérer si tu veux. Ok. Ouais, après, je sais pas si oui, donc ça a été intégralement pillé, forcément. Ok, merci. Alors, faut que je reste avec toi, petit Seb. Ou pas? Bah, non, il faut de nouveau aller sur une autre place, sur un autre système solaire. Ça fait oh, deux okay. tours. C'est honteux, mais tu me rappelleras. Parce que moi, en parallèle, j'essaie de ranger mon bazar et de continuer à faire ma station orbitale. C'est trop bien. Ah, il faut que je mange dans le jeu. J'ai faim. Essaye de voir toutes les ressources qui te manquent et si moi si j'en ai Oui, merci. Attends, je vais refaire le point déjà avec l'or parce que j'ai très mal géré, comme je viens de vous l'avouer. Ah, c'est un nouveau combat de vaisseau. D'ailleurs, j'ai pas inspecté non plus mes containers dans ma cave, dans ma base, là où je me rends immédiatement là. Je dois avoir des trucs dans mes gros containers, c'est pas que de la déco. C'est pas que de la déco. Non, visiblement, j'ai pas. Mais bon. Ah ouais, non, mais il y a des trucs que je peux larguer. C'est pas possible. J'ai trop de trucs qui servent à rien. Ça, il va falloir faire les nouveaux coffres que je t'ai filés. Tu vas gagner de la place et tu auras plus de stockage. Ouais. Oh, bonjour, Boson. Boson qui a la sympathie de passer faire coucou. J'espère qu'il va bien, Boson. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de caisses vides, j'avoue. Ouais, je vais peut-être remplacer les caisses en bois par les coffres forts. Alors, ouais, alors je peux encore m'en faire. 18. 24. Eh ben j'ai bien fait de faire entre guillemets les fonds de tiroir si je puis dire. Bah là il va falloir que tu me rejoignes parce que en fait je suis arrivé à la station où il y a le méchant à capturer. Oh donc. Le vilain appréhendé. Oh. Ah oui. Ah mais elle est un peu grande sa station en plus. Oh et puis il a l'air d'avoir des trucs sympas. Oh là, il y a du monde. J'aime bien les mecs qui ont des panneaux stop. Des panneaux interdits de stationner pour comme arme. Oh bonne mère, j'ai jamais eu un radar qui clignote autant en rouge. Tu peux tracer tout droit, hein. Normalement. Oui, je suis passé tout droit comme un bourrin, donc j'ai tué à peu près tous les ennemis qu'il y avait dans le truc. D'accord, bien joué. Merci. Oh là! Attends, non, il est pas gentil lui. Oula! Oh! Il y a des choses! Faudra que je numérise. Oh mon dieu, c'était un piège. Attends, le temps du. La tête de cheval là en pièce d'échec, je l'avais pas. Ah, je peux pas passer là-dedans. Moi aussi je peux jouer hein. Non. Putain, mais non c'est plus. Ah c'est bon, ça a ouvert. Ah. Oh, il y a un étrange coffre planqué dans le. C'est bizarre. T'as vu le coffre intégré à la structure? Ouais. C'est trop étrange. Oh, j'avais pas le pupitre de commande. Ah bah voilà, il est ouvert.
Alors, sardonyx, rust, iron, paras, bigger, deuteron, leech. D'accord. C'est un truc que j'ai jamais vu en fait. Il y avait quoi dans le coffre? Oh mon dieu, il y a des choses. Ah, tu l'avais l'astromèche? Bah oui. Ouais. Oui, c'était un plan, mais je l'avais déjà donc. Ok. Mais on a complètement perdu le petit TJ qui a déclaré son indépendance. C'est fou ça. J'ai dit non, pas mais je fais ma base, hein. Vous pourrez venir bien. Voir à l'occasion. Ah oui, on t'en rendra visite. Il faut. Ah bah merci, petit Seb, une nouvelle fois. Bien joué. Ouais, mais alors... le problème, c'est qu'on n'a pas fini la mission. Ah merde! Ah oui, on a appris des personnes, c'est vrai, t'as raison. On a appréhendé personne, il faut chercher des preuves, mais moi j'ai scanné un peu tout, mais j'ai rien trouvé. Oui, je reviens vers toi, c'est bizarre. Est-ce que les preuves seraient justement parmi la défense, là où il y a plein de trucs autour qui gravitent de la... peut-être Ou alors... Ou alors, oui. Ou ouais, alors j'ai... on a récupéré un truc... Et on l'a pas lu, ouais, on l'a pas consulté. Ouais, mais je vois rien à lire. Ouh la vache, bonne mère. Non, c'est la folie, mais il y a combien d'astéroïdes de défense ici? C'est juste démentiel le machin. Ah voilà, on a déjà pas appuyé sur ça moi. Tu dois. C'est quoi ta mission pour l'instant? Je sais pas, je l'ai pas sélectionné donc je la vois pas, ils vont me faire descendre. Merde, oui, non. Ah, je me suis fait abattre. J'étais en train de dézinguer les tourelles à tour de bras. Mais j'étais dans une pluie de laser, un truc de fou. Alors la mission, elle me dit à trouver quelque chose dans l'espace, dans Australie Monster Cat, un certain Kratz Basin à appréhender. Ah, Olive Kitu qui a réussi à pêcher dans mon chat un bar commun. T'es sûr que t'as récupéré la même quête parce que... Ah, peut-être pas, je sais pas, écoute, on peut-être décalé. Ah oh, ouais, on s'est décalé. La fois d'avant, t'as pas dû scanner les bons trucs. Ah merde. Parce qu'il faut scanner les dessins sur les murs pour avoir les traces d'ADN. Ah, j'en ai peut-être omis, ouais. Ouais, mais parce que t'en as plein, il y en a un seul qui est bon en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, bah j'ai dû le louper. Doué comme je suis. Alors, je suis parti de chez le Peacekeeper pour aller dans un centre d'astéroïdes, pour changer encore de système solaire, aller sur une planète, pour changer encore de système solaire, aller sur un champ d'astéroïdes. Et au final, il faut que je revienne sur le système solaire du Peacekeeper pour appréhender le mec. Tout est normal. Oh là 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 là! Toutes les tourelles de défense, quoi. De fou, il a vraiment un truc à cacher le doigt. Les sommes qu'il investit en protection, c'est un truc de fou. Mais il a acheté une cinquantaine de tourelles, le gars, c'est pas possible. Vous du diou. La 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 la. Allez, deux balles séries.
Je crois que j'ai connu. Bon, allez. Je vais plutôt m'acharner à faire ma station, parce que c'est rigolo, une séance de tir, mais bon, ça me rapporte pas grand-chose. Mais au moins, ça fait une ambiance guerrière dans l'espace. C'était rigolo. Mais non, je vais vraiment m'atteler à ma station. Réfléchissons. Donc, barre de titanium. J'en ai 29 dans ma réserve. Là, j'en avais aucun sur moi, c'est ça? Ah merde. Titanium. Ah oui, c'est ça le. Ok. Élément de base. Ah, ça, par contre, j'en ai peut-être pas beaucoup non plus. Minute papillon. Où est-ce que j'aurais pu en stocker? Pas là. Je pense pas que je l'ai dans les armoires au-dessus. Ouais, là non plus. Alors j'ai de la thunasse un peu partout, c'est ça qui est rigolo. Non, j'ai pas. Dans ma base, sur ma planète d'origine. Grande question. Où est-ce que c'est? Papa, container, non. Non plus. J'ai plutôt des blocs de construction. Non plus. Ah, je dois confesser que je suis assez pauvre en fait. Ouais, titanium, là j'en fais que deux. Bon, minerai, oui, je pense que tu dois pas en avoir ouais, tant que. Que moi, parce que moi je me suis pas mal baladé sur les. Et puis les batailles spatiales donnent pas mal de minerais en vrai hein, quand tu fouilles les cargaisons des vaisseaux et tout. Non, il me manque 19 barres de titanium pour faire ma première station orbitale. C'est tout? Bah, c'est quand même pas rien, mais 19, ouais, te plaît. À l'occasion, quand tu passeras, hein, te mets pour le. Ouais, bah, on a largement le temps pour ça. Alors 50 d'argent, je regarde la condition suivante. Ah, l'argent, j'en ai largement, j'en ai 158, donc ça c'est bon. Je vais faire 2-3 petites bricoles dans l'espace parce qu'il me manque un petit peu de sous. Mais je suis bête, j'ai qu'à faire méchant. D'ailleurs, je vais me faire ma propre bouffe en même temps. J'ai tout intérêt à faire ça. Alors, mon inventaire de bouffe. Ah oui, c'est le boxon. J'ai des choses diverses et variées. J'ai ça à compter. 19 de titanium, tu m'as dit. 19, s'il te plaît. Ouais. Ah là. Titanium, c'est ça. Ouais, puis, le titanium, c'est. J'en ai quand même plus que du fer. Ouais, c'est dingue. Je pourrais te donner un peu de fer si tu veux en échange. J'ai du mal avec le fer. Ouais, non, mais le fer, faut que je trouve un moyen d'en farmer parce qu'il va m'en falloir. Ah, d'accord. Bon. J'en ai 43 sur moi du fer. Oula. Hein, pour l'instant, en réserve, je parle minerai, hein, je parle pas lingot. Cuivre 992. Fer 118. Argent 1000, or 1000. Est-ce qu'au-delà de 1000 en fait je les vends? Enfin je les vends pas, je les transforme en pixels avec la machine. Tungsten 297, Durastil 205, Titanium 122. Je compte pas ceux que j'ai déjà pris pour te faire les trucs. Ensuite j'ai des prismes shards, mais ça, 157, ça sert pas à grand chose. Et ensuite j'ai les minerais endgame, le ferrosium j'en ai 68, mais j'en ai utilisé plein pour construire le mecha. Oh. Le violium 293, l'aegisalt 132, mais j'en ai utilisé pour construire le mecha aussi. Et le solarium, qui est le meilleur minerai du jeu, j'en ai 334. Et avec tout ça, j'ai 72 diamants en réserve et 17 cœurs de téléporteur.
17 coeurs de téléporteur. Oh, j'ai jamais atteint la dizaine, moi, en stock. Enfin, je faisais rapidement des téléporteurs. J'en mettais un peu partout. J'adore le principe de téléportation, d'avoir un index bien rempli. J'ai trouvé, et dans la base du méchant, j'ai trouvé un nouveau frigo. J'ai beau. Bah tiens, prends le téléporteur, je regrette de pas en avoir ici, tiens. Ouais, j'ai ma petite idée sur le... Oh, j'avais jamais fait encore le jus de cactus. Je vais aller dans une base, je vais prendre les portes. Ah. Aïe, aïe, aïe. Prendre des portes pour faire la déco, hop là. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky, comment ça va? On se samedi matin. Salut Dragonsky. Salut, salut. Dragonsky qui est bien malin, qui m'avait expliqué hier soir sur son antenne que il va, je crois que c'était sur la PlayStation si j'ai pas de bêtises. Il va pouvoir, dans ton petit budget de jeux vidéo habituel, il va pouvoir faire une affaire. Il va s'acheter le Far Cry 5 et 6 en version complète pour pas cher. C'est bien. Très malin, petit Seb. Dragon Sky. Ouais, je sais, je suis trop malin. Aussi. Alors, hop, attends que je vende ma bouffe. Non, pas le lait. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lait va me servir. Ah, c'est du sucre qui me manque. C'est vrai, j'ai plus de sucre. C'est Far Cry 4 et 5 et non pas 6. Ah, pardon. Ouais, le 4 Gold Edition et le 5 Ultimate Edition. Mais c'est très bien joué de ta part, Dragon Sky. Parce que le 6, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je me suis dit, s'il est déjà en grosse promo, c'est bizarre. C'est pas faux. C'est vrai. Je sais pas quand je découvrirai le 4 avec vous sur mon antenne. Le 4, je m'étais un petit peu frotté parce que je l'avais acheté sur PS3. Mais comme il est en version dégradée, parce que ça met sur les genoux la PS3, je l'ai racheté sur PC il n'y a pas si longtemps que ça. En version intégrale en plus. Parce que j'avais pas les contenus additionnels sur la PS3. Et puis comme dirait une scène, les FPS c'est fait pour être fait sur PC avec un bon matos pour bien viser, c'est vrai. Ça fait toute la différence, pardon. Oh là là, je suis Monsieur Risotto, là j'en ai fait 36 d'un coup. Waouh, valeur marchande 1368 pixels, sympa. Ok, t'es rapide, c'est l'admission. Je suis descendu sur la première planète, il y avait le mec, je l'ai tué. Vraiment tué, parce que c'était un animal, c'était pas un... Et du coup, c'était réglé. Ok, next. Oui, ça a pas débloqué une nouvelle quête, celle-là, là, sur... Je vais aller chercher de la moonstone, moi. Oh, la roche lunaire. Tu passes ton temps à ça, NJ. Mais oui, c'est, j'aime bien. Ah, boson qui dit pousser. C'est nul, maintenant j'ai envie de refaire une sauvegarde sur ce jeu. Au moins c'est à côté. À boson. Ah, mais il y a tellement de jeux que j'aimerais faire ou refaire. Ouais, non, mais c'est, ouais, c'est assez. Il y en a d'autres qui continuent à sortir. Ouais. C'est vertigineux, ouais. Puis moi, faut que je me remette à stream parce que bon. Je peux, mais je fais pas. Ah, ouais.
Ça fait 3 semaines. Ah là là. Non, là, là... Ah, y a une météorite qui m'est tombée sur mon méca. Non, mais je vous permets pas, en fait. Oui, fais gaffe, hein. Il faut prendre bien les données, les propriétés de la planète avant de t'y rendre, parce que si tu te manges un gros météor dans la tronche, t'exploses en une seule fois, hein. Ça fait un énorme cratère. C'est l'apocalypse. Ouais, ça faisait à peine 2 secondes que j'étais atterri, et boum. Ouais, ouais. J'ai allé sur une autre lune, en fait. Oui, Dragon Sky qui dit le jeu d'horreur qu'il a fait hier soir, c'était très mitigé. Oui, en plus, il y avait des déconnexions de réseau, alors que c'est un jeu multijoueur. Oui, ça la foutait mal. Effectivement, Dragon Sky, j'ai vu ta galère en direct. Ouais. Boson dit, mais le fait qu'avec le mode Franklin Universe... Ah, oui. Oui, Franklin Universe, moi aussi, je l'avais téléchargé. Il est énorme, ce mode. C'est le plus abouti du jeu, ouais. Mais j'avais fait que quelques heures avec le Franklin Universe pour voir ce qu'il avait dans le bide et c'était vertigineux. Surtout que je l'avais fait il y a plusieurs années. Alors aujourd'hui, ça a dû être mis à jour avec je sais pas quoi comme contenu de malade. Ils auraient pu appeler ça Starbound Unlimited, que ça porterait bien son nom. Il y a tellement de trucs à faire que tu tombes toujours sur du nouveau. Ça fait peur. Et encore, si jamais ils annoncent Starbound 2... Oh, je pense pas. ou alors, si ils sont dans un 2, franchement, qui mettent le paquet dans le scénario, mais qui sont encore plus fous, là, qui triplent le volume des quêtes secondaires et principales, qui fassent un truc bien romancé, ça ferait un carton. Enfin bon, ils font ce qui leur plaît. Mais ouais, non, mais c'est vertigineux, quoi. Bah, le dernier jeu que je connaissais pas du tout, qui s'apprête à être une trilogie si c'est pas le cas, qui m'a été offert et découvert grâce à Torota, que je salue, c'est State of Decay, qui est une espèce de 7 jours pour crever, là, 7 days to die, sauf que c'est pas dynamique, hein, c'est déjà complètement modélisé, et il y a un scénario dedans, c'est romancé comme les derniers d'entre nous, là, The Last of Us. Et il me plaît beaucoup. J'ai regardé 2-3 heures sur sa chaîne à Torota. Et je sais pas quand je le ferai, mais je sais que quand je vais me lancer, je vais pas bouder mon plaisir. Je me ferai une joie de vous le faire sur mon antenne, je sais pas quand. Pas cette année, hein, parce que j'ai trop de jeux en attente. C'est ingérable. Franchement, c'est devenu ingérable. Rien que l'excellent Arx Fatalis, je suis pas sûr de le finir cette année. Je soupçonne qu'Arx Fatalis, je continue de le faire en 2024, tellement qu'il est énorme ce jeu. J'espère juste que je ne vais pas rester bloqué sur les énigmes des femmes serpents. D'ailleurs, demain, quand je vais y jouer les énigmes des femmes serpents, j'ai une théorie à émettre. Parce que je me suis revu dans mon ralenti, et de me voir, d'être mon propre spectateur, croyez-le ou non, mais ça m'a donné de la jugeote au niveau de l'énigme. J'ai pris du recul et je me suis dit « Ah, c'est peut-être comme ça qu'il faut aborder l'énigme des femmes serpents dans le jeu. » Enfin bref, on verra ça demain. Comme tu dis, musique mystère. Attends, j'ai plus de place dans l'inventaire. Il y a trop de bouffe. Ah, le sacro saint Kofi. Christella dit c'était pas trop long de te regarder au ralenti. Alors si, parce que c'est vrai que je cumule tellement d'heures. Je crois que dimanche dernier, j'avais fait 13 heures en votre compagnie. Et parfois, je vous avouerai que je fais avance rapide. Par exemple, le tableau mystère, il n'y a pas spécialement de moment drôle dans le tableau mystère. Donc en général, je le zappe. Je sais qu'il n'y aura pas l'occasion de faire un clip, donc... Mais aussi, si, je suis obligé de vraiment, il y a des moments où je fais avance rapide, Christella, parce que je loupe des trucs, je peux pas. Il y a trop d'heures à revisionner. Là, ce que j'ai fait du week-end dernier, dites-vous quelques semaines, j'ai pas eu le temps de tout revoir. Je sais qu'il y a des moments où il fallait que je prenne. Par exemple, le Portal 2, il y a le clip, je l'appelais la magie du blanc. Souvenez-vous, quand j'ai fait mon fou furieux, là, j'étais déchaîné avec le gel blanc. J'ai fait un magnifique clip.
Mais le reste, il faut que je le revisionne et peut-être que j'aurai pas le temps, tant pis. C'est pour ça que n'hésitez pas, vous, à faire des clips. Hein. S'il y a un instant, vous souhaitez l'immortaliser, faites-le. Ne vous dites pas que le sage va le faire ultérieurement, c'est pas dit. Ça pourrait être perdu. Donc je vous invite vraiment à clipper, j'apprécie quand vous le faites, vous. Ça a son importance. Ah! Oh! Dingue, Dragon Sky qui a joué au Gran Turismo sur mon antenne. Il a dégoté une chaparale. C'est des avions de chasse sur roues, ces engins-là. Il faudra que je vous la pilote un jour sur Gran Turismo 4. Sachant que j'en suis toujours au 3. C'est n'importe quoi. T'arrêtes pas de te faire taquiner le goujon, n'achève man. Ah oui, merde, lui, t'as perdu. Effectivement, je le lis dans le chat. Ah, minerai. Oh, mais si, mec. Oui, je l'ai pas transformé. Hein, c'est pas grave, oui, je vais le raffiner. Attends, je gère déjà mon agriculture. Là, je suis à fond dedans. Oui, du coup, ça me fait de l'espace libre pour les plantes extraterrestres. Mais je me fais un peu de tunasse, là. Je monte vers les 5000 pixels. Ça fait du bien aux finances. Ouais, donc, ouais. Et par contre, quoi, ouais, du coup, quand on a plusieurs primes comme ça, faut toutes les prendre en même temps. Oh. Parce que je vois les petites primes, donc les plus petites primes, là, celles qui n'étaient pas étoilées, oui. C'est tu vas sur la planète, tu tues ou tu attrapes directement le perso. D'accord. Mais en fait, ça te fait balader dans tous les systèmes solaires où tu étais obligé de te balader pour avoir le plus gros. Ah. Donc en fait, on aurait pu tout faire d'un coup en fait. Ah, c'est malin! D'accord, je viens de comprendre le schéma de raisonnement du. Ok. Ah, c'est rigolo ça. En fait, tu chopes d'abord les sous-fifres. Bah tu peux en fait choper les sous-fifres et en suivant la piste du plus gros. Ouais, du grand patron, du grand Manitou. Ouais, c'est bien fait. J'aime bien la logique. Hmm, tu te doutes bien que je ne vais pas sortir avec un truc pareil au pif. Bah c'est là où il y avait cette base là, d'accord. Je vais garder les piments et le lait pour plus tard faire des recettes plus sophistiquées. Dragon Sky me dit, j'ai eu un joli cadeau de Google Play Store, j'ai 3 mois de Google Play Store Pass offert. Ah bah bien, profite Dragon Sky. C'est bien. Alors moi j'ai l'air nigo parce que j'ai plus rien à manger alors que ma barre de bouffe descend. Attends. Tu veux que je vienne te donner quelque chose? Non, je suis dans mes champs et dans mes frigos, c'est gentil, AJ. Non, okay. Il faut juste que je prenne le temps de me préparer un truc en fait. Par contre, je vais venir te voir. Oui, tu peux venir me voir. S'il y a des trucs qui t'intéressent dans mes champs, tu peux shipper. Non, bah, mais j'ai déjà pas mal de trucs. C'est même le bon plan d'ailleurs. Je sais pas si Petit Sept ouvre son serveur en semaine. Mais si c'est le cas, profites-en pour venir sur ma planète et récolter mes propres champs. C'est tout bénef pour toi. Oui, oui, je oui. Ça te ferait de la tunasse facile, AJ, en fait. C'est vrai. Mais ouais, tu verras quand tu viendras sur ma base. Ouais. J'ai déjà quand même pas mal de trucs, de quoi faire à manger. C'est bien. Je t'en rends visite. Après, si t'as des trucs que tu cherches, faut pas hésiter à demander. On peut aussi s'arranger pour. Pas de soucis. Ouais, mais oui, j'avoue. Énormément de trucs. Parce qu'après, en récoltant, des fois, t'as la chance de. Alors, pour les choses que tu dois replanter, des fois, t'as la chance de choper 2 graines au lieu d'une. Et pour les choses que t'as pas besoin de replanter, des fois, tu chopes une graine. Mais. La fameuse vache. Wow!
Il faut que j'aille à mon four atomique, moi. Voilà, que j'encende le minerai que m'a généreusement donné petit Seb. Et je devrais pouvoir déployer ma première station. Puis là, je suis méchant et je peux te piquer une porte. Ouais, vas-y, numérise. Non, mais serre-toi, EJ. On sait pas pour les dégâts. Si vous laissez partir ce criminel, ils vous offrent leur chapeau. Ah ah, excellent. Excellent. Refusé. Par contre, leur petite base là est un peu spéciale. Il y a plein de carburant. J'ai fait n'importe quoi. Je voulais la station orbitale et j'ai téléporté en surface de planète. N'importe quoi. Là, c'est démarré. On n'arrive pas du tout à un endroit. Je regarde en ce moment sur Netflix À l'épreuve du diable. Ah, Dragon Sky qui regarde À l'épreuve du diable. Ah, j'ai vu la pub sur ça. Coucou. Re-coucou, Twinsen. Oh, attends, du coup. Oh oui, ça c'est cool. Attends, ça je l'avais pas. Ah, je me suis trompé d'elle dans la station orbitale. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille ailleurs. Toi, alors, tu m'énerves à me cracher dessus. Ailleurs. Était cet étage. Ah oui, c'était cette portion de vaisseau. Boyou, madame, j'accepte votre offre. Ça y est, tu peux avoir ta propre station. Utilise ton vaisseau pour la déployer dans un système solaire. Mais qui, madame? Je suis en joie. Maintenant, je vais soigneusement choisir le bon système solaire. J'ai vu un EJ. Je vais vous piquer une caisse. La 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 la. Ah non. Ouais. Mais attends, tu veux tu veux les plus grosses caisses possibles, EJ? Oui, si tu veux. Bah, ça, j'ai ce qu'il faut, mais. Pépé-toi à moi. Oui. Comme ça, je vais te faire scanner le modèle et après tu pourras. Oh la vache! Ouais, alors la base du gars que je devais chasser là, c'était une base qui. Tiens, c'est par là. C'est une base qui possédait du carburant. J'ai deux stacks de carburant complet. Là, le coffre-fort au-dessus. Trop bien. D'accord. C'est ah oui, les 64. Gros... Ouais, c'est aussi... il a autant d'espace que les gros containers larges là de chez le sage, alors qu'il est beaucoup plus petit. D'accord. Oui, j'adore sur la guillotine. J'étais sûr. Ah, tu vois qu'elle était bien ma guillotine. Tu te moquais de moi là la dernière fois quand je l'ai récupérée. Alulawek, c'est mon système d'origine. C'était où? Je l'avais mis dans le scan. Ah oui. Oui, t'as bien raison. D'accord. Ah oui, le lit de torture, je crois que. Ouais, je vais retourner dans mon système solaire d'origine pour y déployer ma station orbitale. C'est mon chez moi. Youhou! Home sweet home. Ma maison. Alors attends. Attends, c'était où? C'était la 3A. Bah,
attends. Ah oui, c'est la 3. Ah, c'est là, je monte chez moi. Non, c'est la 3B. Oui, la 3A, c'est là, c'est chez moi. On est d'accord. J'atterris à la surface, je retrouve ma planète aménagée. Oui, je suis dans ma maison. Ah, auprès de Captain Morbide, merveilleux. Ah, génial. Alors, déploiement de station orbitale. Attention, c'est un grand moment, cher public. C'est mon tour d'avoir ma station orbitale. En grande partie, merci, grâce à Petit Seb. Alors, je suis dans mon vaisseau. Je présume qu'il faut que je prenne le truc en main, le transpondeur, et que je la déploie. Et tu cliques. Connexion à l'ordinateur de bord. Connexion au débit établi. Transfert des données. Alors, configuration. Entrez le nom de votre station. LSDN Space Station. LSDN Space Station. Enter station de description. Place to leave cocu of the space en robe de mariée. Quoi? Fait-il? Ça part en couille, ça part en couille. Même pas chiche de l'appeler comme ça. Chiche. Allez, vas-y. Moi, alors, moi j'attends place, ça. Where is... Tu sais, je vais faire du franglais. Where is all cocu of the space? In robe de mariée. Ah non! Ah si, il y a assez d'espace. Voilà. Sauvez-moi, je joue avec des fous. Authentique, voilà. Place where is all cocu of space in robe de mariée. C'est pas beau ça? Vous voyez, là, les gens, vous pouvez clipper. Voilà. Oh la vache! Oh, puis l'orbite, elle peut être excentrique. Je peux être vachement loin de l'étoile. Putain, c'est fou. Non, je vais me mettre proche de mon... Alors, je vais éviter une collision entre objets, hein, stellaires. C'est pas évident, parce qu'il y a deux... Oula, j'ai ma station orbitale qui va jongler entre deux orbites. Faut éviter les collisions. Comment je fais pour valider? Entrer? Bon, tu cliques et puis tu cliques là où tu veux avec ta souris. Ah, j'ai peut-être pas le droit. Ah oui, il faut que ce soit vert, j'ai pas le droit. D'accord. Je peux le mettre... Ah! Justement parce qu'il y a un risque de collision justement avec les objets. Alors soit je la mets très près de l'étoile, soit je la mets à une orbite excentrique. Ah, je vais la mettre à une orbite... Ah, je peux pas être trop loin en fait. Non, pas si excentrique que ça. Oui, bah je vais la mettre en orbite lointaine de l'étoile, va, tant pis. Je vais... Heureusement que l'univers n'explose pas au bout de 22 minutes. Bonjour, FunFan. Alors, la sonde approche de l'orbite cible. C'est Star Trek ou... Ah, c'est énorme. Déploiement de la station. Beam me up, Scotty. Station déployée. Oh, je veux y aller. Tu me dis attends. Quand t'es dans ta station, je vais venir te voir. Attends. Voilà. Regardez-moi cette description magnifique. Ça, ça c'est collector. C'est énorme. Ah là 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 là. Bon, je rigole de ma propre ânerie, mais je trouve ça trop bien. Ah, ce degré de liberté qui est enivrant. Le jeu d'énigmes sur Epic est super. Comment il s'appelle le jeu d'énigmes Lynn sur Epic? C'est Cube, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Et oui. C'est en plus, c'était un pack, un cube de. Oui. Tu peux venir, Edge. Tu sais... Oh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Étendre ta station. Waouh, les éléments de ma boule. Po.
Oh la vache! Ah ouais, effectivement. Le téléporteur. Ça coûte la peau des fesses, mais c'est génial. Tu peux lui donner la forme que tu veux, quoi. Mais ça, attends, je me souviens plus comment j'ai appelé le mien. T'as des couloirs coudés, t'as des croisements, t'as des pièces entières. Semble d'assemblage de Mecha. J'ai des corridors, j'ai des baies d'arrimage que j'ai cru voir. Oh non mais c'est trop bien. Non mais hé, t'as pas bien joué avec la gravité toi. Waouh. Eh, moi je dis ça mais il y en a qui commencent à jouer avec la gravité de ta station. Hein. Oh. Oh le foufou. Et j'ai un coffre privatif. C'est trop j'ai bien. Vu gravité, j'ai fait oui. Ah, que... Attends, il y a un téléporteur. On va l'appeler LSDN Cocus Station. Cacher les slots d'expansion. Ouais, ah, c'est malin. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu. Ouais. Quand tu interagis avec, oui, il y a beaucoup de choses. Sérieux, je retire la gravité. Attends, moi aussi je vais tester. On peut se mettre à. Oh là là, oui, mon dieu, je vais la rétablir. Ouh là 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 là. Ah. Oh, voyez-le. Non, non, c'est bien quand c'est à fond qu'on est comme sur Terre, hein, parce que. Wouh. Si mais non, regarde. Mais non, pour l'alléger un peu. Alors un petit peu, pas trop, parce que. Il est au milieu. Ah oui, oula, oui, on sent léger, oui, c'est. Ouh. Mais mon dieu, la laisser en totale liberté, c'est un truc de fou. Ouais. Alors. Bref, du coup, oui, on a plein de trucs à mettre en place. Ah, t'as mis ton fossile dedans. Oui, j'ai mis mon fossile pour l'exemple. Ah, oh, génial, merci. Trop content. Et ben, oui, merci pour le clip, Christella, merci. Attends, je fais des loopings avec ma roquette. Oh, le foufou. Ah, alors... Non, saint homme, il fait peur. Ibi. Alors, attends, récolter un peu d'essence, peut-être. Et voir si je peux pas aller dans un système solaire que j'ai pas exploré où il y aurait beaucoup de végétaux à shipper. Donc tout ce qui est zone tempérée. Shipper, t'arrêtes de shipper, hein. C'est bon. Bah oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Là où je suis, j'ai une lune que j'ai. J'aurais vidé de sa substance, littéralement ou pas. Je sais pas. Oh, trop la classe. Oh ouais, non mais t'inquiète, mais... Lynn. Et puis de toute façon, il y a Estella qui a fait le clip aussi sur le stream du sage. Du coup, Merci. Ah, non, on a le. C'est bien, vous faites bien. Mais honte à moi, j'ai une planète que j'ai même pas explorée dans mon système d'origine. Incroyable, mais vrai. Je fais. Ah oui, moi dans les systèmes maintenant, j'explore pas tout. Hein. Y a trop de trucs à voir. Hein. Je passe par les planètes que j'ai besoin et puis. Le vaisseau s'est barré à mon approche. Il a eu peur. Il a disparu dans l'espace. Il a déclenché l'hyperespace et il s'est planqué. Il s'est barré, le gars. Incroyable. J'ai même pas le temps de voir s'il était copain ou méchant. C'est pas grave. Mais on l'a vu en direct, là, pour le coup. Oh là là! Déjà, c'est de la végétation dense, ici. Ah, bah, avec un peu de chance, ça va être un autre... à l'avenir, ce sera un futur champ d'agriculture. Où j'y mettrai les bovins, ici, exclusivement. Les vaches, etc. En pleine nature. Alors, déjà, des carottes. Magnifique. Ah, du cacao. Oh, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette planète est fertile. Oh, sympa. Il m'a mis du minerai de cuivre. Cherchez le nom. Papa, papa, papa. Mais j'essayerai sur mon temps libre prochainement de vous faire la chanson de la banane ailée qui veut aller se marier. Parce que j'avais improvisé un air qui m'a l'air valable et faut que je me trouve le temps de composer.
Le mec, je le capture, il me dit, je reviendrai un jour. Hein? I'll be back. Le Terminator de l'espace. Ah non, ça c'est Whisper. Ah! Et je prends plus de dégâts de chute que par les ennemis, c'est quoi ces conneries? Un homme champignon, j'avais pas son sa grosse armoire, dis donc. C'est Toad. Ah ça oui, j'ai déjà croisé le truc champignon. Ouais, mais il avait un mobilier que j'avais pas encore dans mon... Oh, il a un salon que j'ai pas. Il a un canapé et un fauteuil que j'ai pas. J'ai eu un plant de banane, c'est bien ça. Trop bien. Bon, les mecs, y a pas une ville avec des portes, que je vous pique les portes. Une ville avec des portes. Et le... Et en fait, Jay, c'est le crevard de l'espace. Il crafte rien, il récupère tout. C'est mûche, c'est mûche. Mais pourquoi il y a un trou? Ah, il faut aussi que j'améliore ma technologie là, par rapport à tout ce que m'a donné Petit Seb, et à mon tour, que je donne mon rab à Jay. Il faut que je fasse ça aujourd'hui, au moins qu'on avance là-dessus. On le surnomme le récupérateur, un copain à l'effaceur, dit Nachevman, oui. Des arbres avec des yeux, fait-il? Oula. Je crois que tu es piégé. Oh, coffre champignon, je l'avais... Non, à peine. Attends, je vais mettre dans le Discord. Ah, il y a des biomes étranges, hein, divers et variés. Biome, messieurs... Attends, moi j'arrive dans le biome avec les yeux, là. Bonjour, messieurs. Moi, je récolte des champignons mignons. Waouh, j'ai un village de champignons. Ah non, stop. Le gars qui a inventé ça, faut l'égorger. Hein. Le saigner comme un cochon. Ça parle très mal. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Tac. Je l'avais jamais eu avant. Oh, une caisse enregistreuse. Un ancien modèle que j'avais pas, trop bien. Cherche-t-il. Oh, joli mobilier. Simple, mais ça crée une ambiance. J'aime bien. Fouillage. Oh, ils ont trop de ressources et je les chie. Trop bien. La. Les yeux. On m'a filé 7. J'ai tombé 2 arbres, ça m'a filé 7 pouces. Non. J'ai un temple Avian sur cette planète. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah oui, du coup j'avais mis un drapeau sur le temple qu'on a croisé, mais je peux aller l'enlever vu que l'osage il l'a pillé. Il y a un petit truc là. Il y a un petit. Ouais, regarde. Alors moi c'est un temple bleu là. Oh, oh merde, il y a plein de chauves-souris là-dedans. C'est pour ça que je suis venu en fait quand tu m'as dit que t'étais sur ça. Ok. Oh là là. J'ai failli faire une chute. Et accessoirement pour prendre des. Oh, un temple. Moi je veux juste des portes les mecs. Attends, faut que je leur fasse ma bouffe. T'en trouveras pas ici. Alors, T'en trouveras pas dedans, hein, des portes. C'est ce que je te dis. Merde. Alors, mais j'explore en même temps quand même. Mais en fait, il a raté sa flèche. Il faut que tu craftes des drapeaux Edge. Ouais. Moi aussi, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai commis cette erreur stratégique. Parce que les drapeaux, quand vous en avez... Salut Mélissa, merci pour ton raid. Salut Titi. Ça faisait longtemps, Titi Fred. Bonjour Titi et Mélissa. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus. L'essentiel, c'est que... Comment allez-vous? Ça s'est bien passé ce matin, Mélissa? Ah, bah... Bonne app, Titi. Eh bah, bonne app à Titi. Pardon, excusez-moi, parce que je fais un saut de fou et je me mets en danger.
Effectivement, cette planète, c'est limite s'il faudrait pas que je prenne un téléporteur. Mais encore qu'un drapeau peut suffire, mais... Oh, il neige! La planète sur laquelle je me trouve, il se met à neiger. Trop mignon. Ouais, il faut que je fasse des drapeaux, ça va pas, mon organisation est pas la bonne. J'ai pas les bons réflexes. Ok, au plus grand des câbles, je trouve un module de manipulateur dans un vase. T'inquiète pas, j'en ai déjà trouvé dans des poubelles. Hein. C'est dire à quel point c'est commun dans l'univers, c'est effrayant. Un codex avian, si tu veux le sage. Oui, j'allais dire cultivé. Mais oui, collectionner. Super, me dit ça. Et on s'échangera entre nous plus tard. Il me faut la machine à coudre. La machine à coudre. Je l'ai pas celui-là. Mais il non, me je faut l'ai pas. La machine à coudre. Bonjour Torota. Bon, on va bien dans l'ensemble. J'espère que toi aussi. Je vais me faire une collection de lits. Alors, machine à coudre, il faut que je fasse le woven fabric. Le tissu de luxe. Il a fini par se réveiller, Mélissa. Il a fini par se réveiller. C'est cool, Torota va bien. Alors, je pense que je m'en suis fait pas mal, encore que... Il faudrait que je me fasse de la bouffe aussi. Non mais c'est extraordinaire la richesse de Starbound, on s'arrête jamais. Un coup on fait de la cuisine, un coup on fait de l'exploration, un coup on fait de la construction de stations orbitales, un coup on part à la chasse, un coup on fait de l'archéologie, un coup on fait... Non mais c'est énorme. T'as 15-20 métiers à épouser dans... ou activités dans Starbound, c'est... Oh! J'ai jamais fait un pain aux champignons. A mushroom braid. Pain aux champignons, énorme. Oh, j'ai appris à faire la quiche aux champignons. Trop drôle. J'adore. Je vais avoir toutes les recettes de l'univers. Je vais être le cuisinier. Je vais avoir la spatule d'or intergalactique. Je vais être élu le meilleur cuistot de l'univers. J'adorerais avoir ce prix. Bébé. Captain Morbid qui joue du... du bon. Captain Morbid. Ah bah je me l'ai gardé les pains aux champignons. Ça me fera ma bouffe pour la suite. Ah, attends, j'avais un frigo où j'avais rangé mes pousses de je sais pas quoi. C'était pas idiot. Voilà. Plus tard je ferai davantage d'agriculture. D'ailleurs je vais peut-être sauvegarder ma thune parce qu'il faudrait pas que je meure. J'ai 6000 sur moi, ce serait dommage de perdre 6000. J'ai combien sur moi? Ah, 9500, faudrait peut-être que je le fasse aussi. Banque! Je viens d'acheter le plus grand vaisseau, hein. J'ai dépensé 150 000 d'un coup, tu vois, 10 000 c'est pas grand chose. Ouais, quand même quoi. Le mec qui joue avec le feu, tout ça. Ouais. Non, non, mais ça va être utile ensuite pour. Tout simplement pour build après, parce que crafter les trucs comme ça c'est plus simple. Ah. Wow. Sympa ici. Alors, Ah, une porte que j'avais pas. Ça c'était bien fait. Alors. Tic. Ça, je le vends. Ça je garde. Ça je garde. Ça je vends. Et un EPP de lumière. Like an Egyptian. Comme un Égyptien. Wow!
Ouais. Regarde mon stream, le sage. Ah non, j'ai pas lancé mon navigateur, je suis désolé. Décris-moi avec des mots ce que t'as, s'il te plaît. Comment il s'appelle ce... Il y a un jeu, tu sais, avec des couleurs vives, là, tu sais, ça fait un peu... Ah, comment ça fait ? Bah, il y en a plusieurs avec des couleurs vives, excuse-moi, mais... Ah oui, non, mais j'y arrive pas. En fait, j'ai pas le nom. Mais bref, en gros, je voulais pirater... Je devais pirater un système et ça m'a balancé dans un... Dans un espèce de jeu holographique, là. Oh. Ah, le truc en réalité virtuelle, là, avec les lunettes, le cyber... le cyber... Non, c'est pas ça. C'est... Ah, c'est l'épisode spécial de Far Cry 3, le Sand Dragon, le Dragon. Non. Dans les couleurs. Comment est-ce ça... Mais... Très coloré. Oh, il y en a plusieurs des très colorés de jeux vidéo. Mais volontairement vers qui tendent vers le fluo. Ah, il y a Boson qui a lancé son direct. Il fait une mer d'étoiles. Ah, bah lui aussi, il est dans l'espace à sa manière. Shebao. J'ai un truc là, mais je peux pas y descendre. Oui, bah non, c'est bien. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire. Donc j'ai la bouffe et j'étais dans quoi ? Je sais plus ce que je voulais faire. Je suis complètement peur. Ah oui, les drapeaux. Je viens de faire un max de tissu de luxe là, de textile, et après je vais faire les drapeaux. Alors, toi, t'as dit tu as fait un coup fumant pour que ton personnage fasse de la fumée noire. C'est en fait, c'est une cape spéciale. C'est une cape qu'on a shippée au... Oh. Il y a des personnages étranges, il y a un peuple étrange dans les planètes dites de minuit. C'est des planètes toujours dans l'obscurité. C'est très étrange de la palette de couleurs qui est basée sur du noir. Et en fait, quand tu récupères leur cape, c'est une cape de furtivité, symbolique, hein. Mais t'émets tout le temps de la fumée noire, c'est rigolo. Comment il s'appelle ce déjà ? C'est... Attendez, j'ai arrêté de faire du textile, je vais vous montrer, c'est la cape là en fait. Voilà, Dark Cape. La cape sombre. Hop, je la retire, je fais plus de fumée. Enfin merde, je l'ai encore là. Voilà, je la déséquipe, hop, je fais plus de fumée. Mais hop, je la remets. C'est rigolo. Voilà. Non, il faut que j'aille dans mon... Voilà, glitch flag. C'est bien, je pourrais en faire 7. Toujours 7 prix. Je vais aller dans mon vaisseau déposer mes ressources précieuses parce que si je venais accidentellement à mourir, ce serait malheureux que je prenne mes ressources. Si ça gicle dans les grandes profondeurs, au pire dans de la lave au cœur d'une planète, ce serait une pure perte et c'est pas cool. Ah oui, j'avais dit que j'améliorerais aussi ce que m'a donné en technologie petit Seb, que je donne le rab à EJ. Attendez voir que je m'exécute. Attendez voir. Oh, j'ai 14 milliards de trucs, c'est beau, mais il y en a trop. Ah non, me dis pas que j'étais pas sur la bonne mission. Oh, je crois bien que j'étais pas sur la bonne mission, fais chier. C'est pas grave, cette mission était très très cool. C'est déjà ça. Les pièces de Mecha, je sais même pas si je les mets là, mais tant pis, je vais les cumuler. Voilà, au moins on peut le dire, j'ai vidé mes poches. Bon, les torches abusées, j'en ai un peu trop là. C'est proche. Alors, la technologie. Non, ça c'est pour agrandir le vaisseau. Alors, je me mets là et je vais améliorer à donf tous mes trucs. Il manque pas beaucoup, je crois. Ah ouais, 48 quand même le machin. Tac, 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 tac. Ah, bah il m'en reste plus qu'un.
J'en ai plus qu'un symbolique. Donc je vais le mettre là pour le ranger dans mon vaisseau. Merci, ça y est, j'ai le manipulateur de matière qui est optimisé à donf. Je peux pas faire mieux. Ouais, donc. J'ai toutes les options à donf. Donc les prochains seront pour toi, Edge. Mais t'as tout utilisé ou il t'en reste? Il me reste plus qu'un que je garde précieusement dans mon coffre-fort de vaisseau pour avoir l'emplacement dédié pour les prochains que je donnerai bien évidemment à EJ quand j'en aurai en rab. C'est bon, les prochaines fois, promis, tu vas être gâté, EJ. Ouais. Oui, la chasse aux fossiles. Bah, j'en ai fait un tout à l'heure en début de direct. Torota, et j'ai trouvé un torse de d'hommes fleurs, enfin d'hommes végétales, les Floranes. J'ai trouvé le torse de leurs ancêtres. J'ai eu chaud d'ailleurs, parce que j'ai failli perdre. J'avais juste le nombre qu'il fallait pour dégager le fossile, et j'ai eu un moment en suspense frisson là. Mais je l'ai bien géré. Alors, le mec dans la station intergalactique. Il y a tellement de destinations que je suis en train de me perdre dans mon index de téléportation. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Ça y est, Funfan et une scène se rechamaillent comme à leur habitude. Tout va bien, c'est un week-end comme un autre. Oh, ils sont terribles ces deux-là. Bon, bref. Alors, le monsieur, il est... Ah oui, et puis le Metcha aussi, j'avais dit que je m'intéressais à optimiser mon Metcha. Ça va être la totale aujourd'hui. Un truc de fou. Attends, ça se passe où? Ça se passe là, je crois. Donc, il faut tout déverrouiller une fois, c'est ça? Sonic Sphere, Aquasphere. Là, j'ai Air Dash. Là, j'ai le Sprint. Là, j'ai le Bling. Oui, Dash. Tu déverrouilles, puis après, tu déverrouilles tout, et puis ensuite, tu sélectionnes celui que tu veux. Hein. Rocket Jump, Multi Jump. Ah, bah, Jeff va être content, il me reste 25. Si j'ai bien tout... Oh, j'en donnais un max à IJ, ça va être son tour après. Non, le Spike, j'adore, je m'en lasse pas. Alors, Body Tech, Sprint, Dash... Après, j'en avais eu quelques-unes, je lui en avais déjà donné, il a pu déverrouiller un peu ce qu'il voulait, IJ, hein, il me semble. Oui, j'ai le... Il a la Spike. Et le Sprint. Dash. D'accord. Multi Jump, Rocket Jump, Pulse Jump, Wall ouais. Jump. En gros, il est stuffé comme moi, EJ, hein, au niveau des compétences. Le Wall Jump, il m'intéresse. Oh, c'est énorme! Merci, petit Seb. Je vais être à donf au niveau technologique, et puis après, je vais m'intéresser au Metcha. Alors, il est où le petit EJ? Mr. Caesar. Le Caesar de l'espace. Oh! Il est chaloué, c'est mort. Voulez-vous faire la visite, monsieur? Alors, avant, je vous donne votre cadeau. Bougez plus. Attends, oui. Attention, un truc meuble, pas un truc... voilà. Ouais. Touk. Voilà, tout ça, c'est à toi. Merci. Ouais, tu vas pouvoir avancer technologiquement. Donc, au-dessus, il y avait un petit lit. Donc, voilà, au-dessus, le petit lit. Ici, c'est tout ce qui permet de craft des trucs. Oui, c'est voilà. Le grand labo, on va dire, atelier. Ensuite, un lit, des canapés, un autre lit, enfin, c'est lit, voilà, déco. Ah oui. Un autre lit ici. En gros, c'est des chambres, on va dire. Pas. Hein ah, c'est bien. Un petit tambour. Oh, tam tam. Oui. Bon, ici, alors je vais faire un truc. Oula, c'est bizarre. Ah, la tombe là, je l'avais pas, la tombe incurvée propre. Justement, là, c'est l'endroit des tombes. Hop là, une autre ici. Ok, ok. Ouais. Bon, là, c'est petit. Bon, je me suis dit, tiens, c'est sous terre, il y a de la roche. Ouais, c'est une mine, allez. Le mec, il s'est même fait un cimetière pour ses ennemis. Oui. Oh la vache! 4 statues. Très bien, il y en a deux que j'avais pas. Merci, EJ. J'avais pas ma propre espèce, les glitch, les hommes robots, et j'avais pas les hommes. Ouais, mais il l'a trouvé. Bah, tu l'avais pas trouvé mercredi quand on a stream, justement. Enfin, quand j'ai stream. C'est possible. Il y en a, il y en a une que j'ai trouvé tout à l'heure et une mercredi. Wow, le petit coin de culture. Faudrait qu'on te mette un téléporteur là sur ta base aussi. L'agriculture, tous les coffres, voilà, tout un coffre ici. Ouais, c'est bien. Là, j'ai mis un lampadaire et ça parce que je savais pas où mettre.
toutes les caisses, tout plein de caisses, avec, là, je regarde si tu veux, si tu veux servir en armes, tout ça. C'est bien. Et ça, c'est les endroits de pour stocker, mais un peu particuliers, genre un sac poubelle, ouais, une poubelle. C'est cool. Des casiers, des tiroirs. C'est bien, c'est bien. Voilà, voilà. Voilà, tu te déploies. Et petite surprise. Oh. Kejako. On va descendre. Prendre la porte, tuer l'ennemi, bon, ça c'est accessoire. Oui, d'accord. Et on va monter. Oh. Oh, t'es la boule, plus elle fume. Ah, oh, c'est marrant, t'es légèrement plus rapide que moi. Voilà, voilà. Vas-y, rentre dans la cage. Ah, mon dieu, je suis fait prisonnier. Sous voilà, la pluie, avec la découpe qui va. C'est rigolo. C'est bien. Ou oh, attends, ça dépasse. Burp. 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 Ça dépasse. Ça bosse. Moi, mon objectif là, c'est d'arriver à atteindre le rang 2 en chasseur de primes. Ah. Voilà, voilà, tu as fait la petite visite. Alors, ma station spatiale. Je vais aller voir les tarifs fous des morceaux de... Ah oui, t'as la grille pour dire où est-ce que tu veux... Oh, c'est trop bien. Elle peut être grande. Attends, ça fait 7 cases sur 7. Ah ouais. Elle peut être immense, la station orbitale. Oh la vache, le fric qu'il faut. Mais c'est logique. Il faut pas que tu veux, en vrai. Zone d'assemblage des Mecha. Oh, oh. Quoi, ça veut dire que tu te fais une base correcte ici, t'es même plus obligé d'aller à l'outpost, quoi. Exactement, ouais, ouais. T'es indépendant. Waouh. Je me demande si tu peux même organiser pour avoir les marchands comme dans les autres stations. Alors voilà. Non, ce qui doit être vachement sympa, d'ailleurs, je vais essayer de me faire un immeuble sur ma planète avec plein de locataires. Mais c'est justement d'avoir des locataires dans ta station orbitale aussi. Un truc vachement vivant, tu sais. C'est trop bien. C'est trop bien. Je sais même pas si j'arriverai à en faire un dans les prochains épisodes, parce que ça demande tellement de thunes. Je préfère encore qu'EJ fasse le nécessaire plus tard pour avoir sa propre station orbitale avant moi. Pas avant moi, avant que je déploie la... enfin que je développe la mienne, mais c'est trop bien. C'est trop bien, je m'enfouis dans l'espace. Ah, je fais n'importe quoi. Oh, c'est sympa ça comme déco. Allez. J'aime beaucoup l'idée. Un petit screen. Du coup, là, je suis sans action, je gère bêtement dans mon vaisseau et je n'infléchis plus. Oui, le Mecha. Alors, le Mecha, il faut que je prenne un max d'éléments de construction, de pièces détachées. Tout ce que j'ai collecté, j'avais rangé ça où? Tiens, je vais encore changer ma tenue pour rigoler. Oh. Oula, c'est presque une jupe de karatéka là que j'ai. C'est original. Je suis très original là aussi, comme je garde ça pour la fin du direct, là, l'heure qui reste. C'est rigolo. Alors, les pièces de Mecha, les pièces de robot, en veux-tu, en voilà. Je regarde bien, est-ce que j'ai bien sélectionné tout.
Ok, là j'ai de l'autre côté. Là j'en ai encore. Oh, j'ai vraiment disséminé tout partout, c'est n'importe quoi. Et puis je referai après des... Salté ! Vous avez tué le marchand ! Après l'instant Metcha, j'irai faire des fossiles, comme demandait Torota. Moi aussi j'en ai envie. C'est rigolo comme tout. Ah bah tiens, je vais changer de cape. Il y avait une autre cape, une non-fumante. Ah bah c'est celle du début, le kakemono arraché. Voilà, là j'ai une cape classique qui n'a pas d'effets spéciaux. Ça change un peu. En haut, est-ce que j'avais rangé dans les armoires des pièces? Je crois pas. Ah, j'ai encore de la... Bah oui, c'est une garde-robe, ça. C'était cool, ça. Oh, c'est original. Un sac à dos. Vous, Dudu. Mémé. Mecha. Dans ma base. Est-ce que j'avais pas du matos en réserve? Oh, la poisse, Olive. Depuis ton poisson, là, je sais plus lequel, le merlan, je crois, je sais plus ce que t'avais pêché, t'as plus rien. Ah, la provoque envers Wisebot. T'es un imposteur, dit Olive qui tue. Mes containers du bas. Ah! Non, j'étais en train de me tromper, j'ai regardé mon propre inventaire. N'importe. Bon, là j'ai rien. Funfan dit, j'ai reçu un commentaire sur ta chaîne YouTube d'une personne qui a aimé notre direct de... Ah, Unreal Tournament. Il m'a dit qu'il préférait avoir une version pirate à une version... Ouais. Oh, écoute. Ah là 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 là. C'était une réponse pertinente. L'anti-steam est en train de monter, dit Funfan. Ouais. Ah, ah, Wisebot qui répond à Luffy qui tue. Ah, c'est parce que je veux pas que tu fasses de la peine aux petits poissons, mon pote. On préfère les voir nager tranquillement dans l'eau. Une réponse constructive et logique avec le jeu. C'est ça. Alors attends, les mechas, il faut que j'aille voir le pingouin dans la station intergalactique. Le pingouin mécano. Alors, comment ça fonctionne? Et puis après, je termine mon direct sur des fossiles. Alors, il est en bas. Il est par là, le pingouin mécano des mechas. Bonjour monsieur. Oh, j'avais même pas son enseigne. Alors, ces morceaux permettent de finir un nouveau bras armé de missiles. D'accord. Je t'ai envoyé une copie du modèle pour la portale. D'accord, tu peux faire la tienne. Oui, bah visiblement je l'avais, mais bon bref. Donc ça se passe là, c'est ça? Oh là 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 là, comment en méga joule. Ah, t'as le choix de la couleur, trop bien. Ah, attends, les pièces. C'est pas les mêmes pièces que j'ai prises en fait. Attends, je dois avoir un truc. Oh, même les néons, je les avais pas ici. Ouh, ah merde, j'ai quelque faim. Quelque chose que j'avais pas. Je vais manger un pain aux champignons mignons. Ah, c'est ça. D'accord, l'établi d'assemblage des mechas. Alors attends, je vais débrouiller les trucs parce que je vois pas comment on fait.
Oh punaise. Oui, il faut surtout jouer du tungstène et du durasteel. Ok. Du titane, ok. Ouais, donc c'est évidemment les métaux les plus nobles. C'est sûr que ça va pas être fait en papier mâché. Oh la vache. Wow. J'ose même pas imaginer un méca en papier mâché. Ah ouais, non mais c'est pas, c'est peut-être même pas pour moi dans la partie là, parce qu'il faudrait que j'investisse beaucoup d'heures en récolte de trucs. Je vais rester ouvert aux dons, mais on verra ça dans les prochains épisodes. Oh là là, je vais retourner faire du... Ah oui, il me propose une quête de... Oh, je la ferai une autre fois, va. Non, je vais aller faire mes fossiles, moi. Tiens, j'en suis où dans l'extension de mon vaisseau? Ah, 40 000 pour avoir la licence Falcon. Ouh, j'ai pas 40 000, je crois pas. Je vais regarder si j'ai 40 000. Comment ça, le boot qui est pas à jour? D'Inachevman. Le set Lego avec le plus de pièces est Millennium Falcon avec 7541 pièces. La tour Eiffel n'est pas un ensemble Lego. Quoi? Ah oui, c'est bizarre. Oui, Wisebot qui n'avait pas... Oui, effectivement. Qui n'est pas conscient des modèles de boîtes de Lego. Oui, c'est bizarre qu'il soit dans l'erreur. Vous voyez comme quoi les intelligences artificielles, il faut pas leur faire une confiance aveugle. Encore un contre-exemple. Enfin bon, bref. Alors attends, la tunasse. Attendez, la tunasse, je vais la mettre là. Ah oui, j'ai des. Il y en a un qui part bien en tout cas. Ah bah j'ai la part du klaxon que je peux mettre sur mon mecha. Wisebot n'est pas du tout biaisé, hein, parce que quand je marque quel est le meilleur jeu du monde, il me dit Minecraft bizarrement. Non mais il sait que je suis un vendu. Oh, faudrait que je revoie l'indice. Ça, en fait non, ça dépend, parce que c'est peut-être le jeu le plus vendu au monde, Minecraft surtout. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. Et peut-être probablement le plus piraté aussi. Ouais, ouais. Mais lundi, il faut que je revoie le... Vous savez que mon serveur est toujours pas opérationnel, veuillez m'excuser. Mais c'est parce que la version modée est toujours pas proposée par mon prestataire de service. Donc... Ah, il me manque un peu. Il me manque un peu. Et... Mais je vais le garder pour l'épisode précédent, en fait. Le fait d'encore étant dans mon vaisseau. Il manque un petit peu. Je ferai un peu d'agriculture et puis ce sera bon. À moins que j'ai de la tunasse dans ma base. Ah, j'en ai peut-être dans ma base de la tunasse contactée banque. Je vais regarder. Mais je vais pas tout faire dans cet épisode-là. Sinon, c'est pas... C'est trop en une seule fois. Faut que je me garde toujours des exclusivités pour chaque épisode, sinon c'est pas drôle. En même temps, j'ai pas l'impression que j'ai du fric à droite à gauche. Ah si, j'en ai beaucoup en fait. J'ai 63 000. Non bah tant mieux. Oh, on m'a donné du riz, trop bien. Captain Morbi qui complète en me donnant du fric. Il a tout compris. Il s'est pas cassé à chercher à savoir ce qui me plairait. Hop, du fric. Ah, lui, il a quelque chose à me donner. Quoi? Ah, c'est un bouclier qu'il m'a donné. D'accord. Ok, merci. Ouais, dans le coffre là, je vais mettre la tunasse. Bah, je vais acheter. Allez, je vais aller acheter la licence dans l'espace. Mais je vais pas développer tout de suite le. Faire les travaux dans le vaisseau. Ce sera le prochain épisode qu'on fera dans 3 semaines en fait. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Petit Seb. Ah oui, t'es peut-être pas au courant. Je vais vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf s'il lâche le passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Moi, je pense que j'essaierai de terminer Far Cry 2 en compensation les samedis à venir sur mon antenne. Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas accéder à ce serveur-là.
Oui, tout le temps. Mais j'ai regardé. Alors j'ai essayé de regarder pour voir le serveur dédié. En fait, c'est juste sur Steam, ça fonctionne pas. Ah, c'est dommage. Apparemment, sur d'autres plateformes comme GOG, ça fonctionne. C'est une grosse blague, ça. Bah, c'est mal pensé, en fait. Ils ont mal bossé, c'est dommage. Non, apparemment, ça a fonctionné, mais c'est avec certaines mises à jour où ça fonctionne plus. Et puis après, ils ont peut-être pas. C'était pas une priorité, ouais. Pour eux. C'est dommage. C'est dommage. Bah, pourquoi... Message de FunFan 1992. C'est quoi la raison? Que dans les secondes, j'ai pas entendu, il y avait un son. Qui va faire un commentaire négatif sur Steam. Attends, ça veut dire que je l'ai déjà, en fait. C'est trop prévisible. Déjà. Donc c'est bien, j'ai plein de choses. FunFan n'a pas entendu, c'est quoi la raison? Non, mais la raison, c'est que Petit Seb est absent dans les deux week-ends à venir. Donc il n'y aura pas de Starband avant début novembre, en fait, dans le calendrier. Et moi, du coup, je vais en profiter, ça me libère, entre guillemets, mes samedis matins. Donc, les samedis matins à venir, je ferai très probablement, peut-être que du Far Cry 2. Parce que le Far Cry 2, j'aimerais le terminer à 100%. Et le Far Cry 2, une fois que je l'ai fini, ça, je vais revenir à Dying Light. Comme on revient dans la mauvaise saison où il va faire froid, c'est bien, ça va éviter mon ordi d'être essoufflé et de surchauffer. Donc, vous savez que Dying Light fait cuire ma carte graphique. Ça demande des ressources graphiques importantes. Il faut que j'attende d'être dans la saison froide pour pouvoir le faire tourner. Donc, c'est bien, la transition va se faire en novembre, en fait. Et qui dit retour de la saison froide dit peut-être retour de Lego Worlds. Aussi. Qui fait fumer aussi la carte graphique de mon côté, exact. Exact. Peut-être dans un univers alternatif, Seven Days to Die. Ah, Seven Days to Die, j'ose pas m'y lancer parce qu'il est magnifique, mais il est chronophage. J'ai peur de me faire happer. C'est-à-dire que je vais tellement avoir plaisir de retrouver le jeu, j'aurai pas le temps d'investir, je vais être frustré. Donc, mais en tout cas, tu sais que si tu veux, je suis là. C'est très gentil, mais ce qui me fait peur, c'est que je me répète, j'ai d'autres jeux à faire que je ne connais pas du tout. C'est même pas des jeux à refaire, c'est des jeux à faire. Surtout que vous m'avez gâté, la plupart d'entre vous, vous m'avez offert des trucs. J'ai pas encore mis à l'honneur et je tiens à le faire. J'ai State of Decay qui est à peu près dans le même genre qui m'a été offert par Torota. J'ai Black Mesa qui m'a été offert par Christella, qu'il faudrait que je fasse aussi sur mon antenne. Et j'en oublie, il y en a d'autres que vous avez été adorables. Et j'essaie de mettre en Black lumière Black Mesa, ce que vous m'avez offert. C'est une putain de tuerie. Ah, tu l'as bien aimé, Petit Seb? Bah, est-ce que t'as fait Half-Life? Le normal, oui. Ouais. Non mais tu vas kiffer. Bon bah tant mieux. Tant mieux. Swapcote. Ah merci, j'ai eu un modèle de... C'est pas un remaster, c'est vraiment un remake. Hein. Il y a des choses qu'ils ont laissées telles quelles, ils ont juste refait les graphismes, mais il y a des zones qu'ils ont complètement refait. D'accord. Bon bah moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Bonne app, merci d'avoir joué. Bonne app. Me à la brille. Tu fais bien. Ouais. À la prochaine Alien. N'importe quoi. À la prochaine, EJ. À très bientôt. Bon appétit, tout le monde. Merci, Nash. Et des zoubis. Et voilà. Zoubis, à plus, Mickey. Et alors, fossiles. Que je fasse des dernières planètes avec des fossiles. Qu'on s'amuse. Alors, attendez, la bouffe. J'ai encore de la bouffe. Oh, mince. Ouais, bah tiens, je vais planter mes trois grains de riz là qu'ils m'ont offert. Parce que je dois avoir la place. Ah, j'ai un Pokémon agressif qui m'attend évidemment dehors. Évidemment. Voilà, Quick, il est mort. Et le évidemment. Riz. Ça... Ouais, ça va être dans la partie humaine. Voilà, ils sont plantés, magnifique. Ah, rien n'est perdu. En plus, le sage de Nancy, tu as prévu pour Raft aussi. Alors, ouais, Raft, du coup, par rapport à ce que vient de déclarer Petit Seb, qu'il est absent deux week-ends, dis-toi que Raft, Torota, on le démarrera pas avant un gros mois. On le démarrera pas avant la mi-novembre. Sans offense, hein, Torota. Tu l'attends probablement avec impatience. Je t'avouerai que je t'inviterai, mais évidemment, libre à toi de choisir. Je t'inviterai à découvrir éventuellement sur ton antenne ou tu te le joues en antenne comme
où tu le souhaites. Salt, que tu as désormais, et qui, alors ça vaut pas Raft, c'est sûr, mais c'est toujours une ambiance, la mer, c'est, moi, j'ai pas fini, hein, Salt, il est long, il est plus long qu'il n'y paraît, et je suis loin d'avoir tout fait dans Salt, et pareil, je t'y passerai des dizaines d'heures à naviguer sur les mers. Je crois que je l'ai, et si je me souviens pas, j'ai pas accroché sur celui-là. Bah, Salt, j'ai envie de dire, c'est le Sea of Thieves du pauvre. C'est loin d'être aussi riche et multijoueur que... À la base, c'est même un jeu solo, en fait, Salt. Mais c'est, tu navigues sur les mers, t'explores les îles et tu fais ça à répétition. Mais par petite dose, c'est sympa. Ça son côté bah, tu sais, faire ça, moi, ça me dérangerait pas. Hein. Moi, Sea of Thieves, j'adore le jeu. La seule chose qui me fait ne pas y jouer, c'est le PVP. Ah, ouais. Parce que moi, je suis... Enfin... Je suis désolé, mais 90% des joueurs sont plus cancer que joueurs, et du coup, puis en plus, je déteste le PVP, donc. Ouais, là-dessus. Mais pendant un temps, j'y jouais avec une amie et on avait fait toutes les campagnes, enfin toutes les histoires disponibles du jeu. Alors après, ils en ont rajouté avec Pirates des Caraïbes, tout ça. Enfin bref, celle-là, je l'ai pas faite parce que bah j'avais trop été dégoûté. Hein. La dernière fois que j'y ai joué, j'ai vraiment arrêté, j'ai désinstallé le jeu, quoi, j'ai... À ce point, oh vache. Ouais. Il y a une fois, bah, je me baladais juste comme ça, tu sais, je faisais des petits coffres comme ça, et j'étais à vide. Alors j'avais peut-être un coffre, mais t'as un truc de merde, tu vois, un truc, c'est... Voilà. Et t'as les mecs qui commencent à m'accoster, alors je fais, ouais, non, s'il vous plaît, enfin, tu sais, avec mon meilleur anglais de merde, ouais, les mecs, j'ai rien, ma cargaison est vide, est-ce que je peux juste me barrer, en fait? Voilà. Les mecs, ils font, oui. Ah, hop, tu vois, et puis, ouais, moi, j'étais content, tu vois. Et puis, en fait, c'est pas barré, c'est qu'en fait, ils avaient réussi à être plusieurs sur le même serveur, et puis, y a un autre qui est arrivé devant, et puis, après, ils m'ont tiré en feu croisé, quoi, puis ils m'ont coulé juste pour le plaisir. J'avais strictement rien, hein. il y en avait même un qui était monté à bord qui avait vu que j'avais rien, tu vois. Ouais, ça t'a frustré l'expérience de jeu. Ouais. Non, mais moi je déteste le PVP, ça rend les gens cancer là, dans 100% des cas, je suis désolé. Hein. Et puis là encore plus sur celui-là. Surtout qu'il a un très très bon potentiel de jeu de chasse au trésor, de révélation de mystère, Sea of Thieves. Hein. Il est excellent à ce niveau-là. Hein. Et puis tu vas pas me dire qu'entre les combats contre les galions fantômes, les kraken, etc., t'as largement de quoi faire. Hein. Le jeu pourrait 100% fonctionner sans... Oh, je découvre des structures sur cette planète, en sous-sol. Shebao. Mais pour le moment... Ah, parce que les upgrade modules, j'en ai 38. C'est un fossile. J'ai trouvé le fossile. Bon, on va voir si j'arrive à atteindre le rang que je veux aujourd'hui ou pas. Parce que étant donné que moi j'ai tous les invités qui sont arrivés et que ça sent bon, je suppose que je vais pas tarder à manger non plus. Ça y est, Torota, c'est l'instant extraction délicate de fossiles. Ah, à tout dépoussiérer. Maintenant, attention, il faut l'extraire de la roche. Bah oui, Torota. Moi, je dis, c'est 10 fossiles à faire. Elle est nulle, je vous l'avais déjà faite la semaine dernière. Ok, donc j'ai atteint le maximum de points dans le rang 1 du chasseur de primes. Et il me reste en fait à capturer un leader pour passer le rang 1. Alors le trésor, je m'en moque un peu. Par contre, le fossile... Et il faudrait vraiment que je range mes pixels, moi. J'ai déjà le fossile, mais j'aurai pas le trésor. Parce que j'en aurai 3 sur 4. Si, j'ai le trésor. Ah non, j'ai pas le trésor. Il me l'accorde pas. C'est pas grave. J'ai un crâne d'alpaca. Un crâne d'alpaca. C'est pas les hommes
Les hommes lamas, les alpacas? Possible. Parce que vu la forme du fossile, excusez-moi, mais... Attendez, je vais le remettre à l'écran. Regardez-moi ça. Bizarre la forme du crâne. C'est un lama alpaca. Ah d'accord, merci Torota. Donc j'ai les ancêtres des hommes... Tiens, j'ai pas essayé mon wall jump. Dans mes nouvelles propriétés. Wall jump. Oh, oui, si ça marche. Ah bon, on va essayer de capturer ce dernier brigand là. J'avais déjà visité. Bon bah j'ai qu'à faire les fossiles. Les fossiles ! On veut des fossiles ! J'adore faire mon archéologue. Le suivant, le E. Oh ! J'avais pas pillé ce coffre. Ah ! Fossile. C'est un fossile étrange. Alors attends. En espérant qu'on vienne pas m'enquiquiner. Parce que s'il y a un Pokémon agressif qui m'attaque. Je vous dis pas la mouise, je crois que ça me mettrait en péril la... l'extraction. La 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 la. Alors, observons, on voit qu'il y a des nonos ici. Qui est le plus intelligent, ça peut-être? C'est pas de la tarte. Ni du gâteau. Tac, tac, tac. Ah, j'ai eu du bon flair. Ouh, il est dur celui-là. Merde. Je viens de choper la robe de mariée. T'es devenu un cocu. T'as été cocufié. J'ai la banane ailée qui va aller se marier. Oui, j'ai encore le fossile, mais j'aurai pas le trésor. Tant pis, c'est pas grave. C'est quoi le fossile? Le fossile! Ah, un crâne d'un extraterrestre mystérieux. Waouh, ça c'est de la trouvaille. Vous de du où? Oh, j'ai pas ça, l'escabeau. Trop nice. Bizarre. Trop, trop bizarre, ce fossile. Ah oui, l'escabeau rouge, là. Ouais. Ouais, je crois que je l'ai eu. Il est beau, ouais, il est bien, l'escabeau. Il a de la gueule. Ah, il faut que je retrouve des cavités naturelles. Je repars un peu en hauteur, parce que aller tout au fond de la planète n'est pas forcément une bonne idée. Il peut y avoir des fossiles proches de la... Bah tiens, la preuve. Des fossiles proches de la surface. Voilà, lui, il est mort. Ah merde, du coup, le... Voilà, le wall jump, le saut de mur qui... Ah! Alors là, j'ai intérêt à m'enfermer. Parce que... Il y a trop de vie, là. Je vais me faire patater. Ça va pas le faire. Ok, le boss, c'est un donjon. Quoi? Le boss, c'est un donjon? Oui, ouais, ça te téléporte jusqu'à son repère. Oh. Et c'est quoi son flingue à lui? Je veux le même? Oh, il y a plein de trucs à scanner encore. Mm-hmm. Attends, et je me mets une petite torche pour l'excavation propre. Pinceau. Ah, c'est un fossile ici en 16 petits morceaux. D'ailleurs, bon appétit pour ceux qui passent à table. Hein. Il est déjà midi et demi quasiment, heure française. La. Ouh là là, réfléchissons. Je pense qu'il faille faire comme ça. Ah tiens. J'en suis à la moitié. 8 de 16. Oh la vache. Pas du tout facile. Celui-là, je pars pessimiste. Parce que pour ne pas taper le fossile avec les éléments que j'ai,
13 de 16. Il me reste encore quelques outils. Je crois que je peux faire comme ça. 14 de 16. Donc les autres, ils sont là, en fait. Celui-là, je pourrais le faire que pour le coffre. Bon, là, c'est le bonus, on va dire. Mais alors là, il doit y en avoir un là. Où est l'autre? Il est là, je pense. Je pense que c'est la jonction du... Ouais, j'ai gagné! J'ai même un manipulateur module que j'offrirai à AJ. Que j'ai gagné en bonus. C'est quoi? Oh! Un œuf. C'est un œuf fossilisé. C'est fou. Ha ha! Olive qui tue! Malheureusement, t'as encore la poisse à la pêche. C'est terrible. Ah, Torota dit, petite histoire, j'ai un ami qui est au Pérou et qui m'a offert une écharpe en poil d'alpaca. Ah, ça tient chaud? Alors, pour anecdote, feu, mon papa, il aimait bien la couture, enfin la couture, le tricot, pardon, c'est pas la même chose. Et en tricot, il s'était fait, hein, il était frileux, hein, c'était un mustiti, tout l'inverse de moi à ce niveau-là, mon papa. Et il s'était fait un pull en poil de chameau. Et ben, croyez-le ou pas, la laine de chameau, ça schlingue. Il y a une odeur très spéciale qui se dégage, même après le raffinage de la laine. Et il avait il avait un pull en laine de chameau qui portait de temps en temps, mais pas souvent. Parce qu'en fait, l'odeur, il se gazait lui-même, si vous voulez, de porter le vêtement. Mais ça tenait vachement chaud. Je sais pas ce que j'en ai fait, d'ailleurs, du pull. Je sais pas si je l'ai gardé ou j'ai dû le jeter, en fait. Parce qu'il a dû mal vieillir, le truc, malheureusement. Enfin bref. Mais ça tient chaud, la laine de... le poil d'alpaca. Parce que je connais pas le poil de lama alpaca du Pérou. Péruvien. Mais oui, c'est un beau cadeau, c'est bien. Il y a un truc que j'ai... Attends, mais oui, c'est un truc civilisé, ça. Tu me dis, oui, ça tient chaud et c'est très agréable. Oh, si en plus au toucher, c'est... D'accord, tu me l'apprends. Merci, Torota. Ah, bah, c'est bien. C'est beau. Attends, est-ce que j'ai fait cet endroit civilisé? Je suis pas sûr. Non. Oh, attends, petit Seb, c'est intéressant. J'ai un coffre qui m'a donné une augmentation au PP. C'est une clé USB noire. Tu les as déjà eu, les noires? J'en ai eu une. C'est pour la gravité. Ouais, c'est la même que j'ai eue. Ça te fait descendre comme une fleur tout doucement dans le... Alors moi, j'en ai une armée, ouais, qui est de lumière 3, que je garde parce que c'est trop bien, la lumière automatique. Mais sympa. Oula, je vais faire une avalanche. Elle est bien bonne. Et la gravity augmente, c'est ça que t'as eu? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je l'ai eu aussi. Oh, Duracell, je vais prendre. Alors, y a pas de fossiles? Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Oh, une arme, une épée à une main. Bah, j'ai vu les mains, s'il me la prend pas, cet idiot. Bon, où est-ce qu'il y a des... Oh, j'ai failli me tuer! J'ai fait une de ces chutes de baboule. Il faut que je remange un morceau, que j'ai la barre de bouffe pleine. Et que je me refasse la vie. Voilà. En plus, j'ai de l'énergie bonus, c'est bien. Donc si je me fais agresser, je vais pouvoir tirer et ouvrir le feu à outrance. Ouais, on veut des fossiles, je vais encore en faire un. C'est trop bien. Non, j'ai cru que c'en était un, mais non, ça c'est une carcasse d'os à nu, à même le sol. Non, je pense pas que je trouverais des fossiles dans ce biome. Le biome du pétrole, j'avais remarqué que... Putain, mais je cherche à me faire mal, moi je suis ma boule, je suis mazo. N'importe quoi. Oh, attends, il y a de l'or. Il y a la mesure du café. D'ailleurs, en parlant de café, je bois pas assez, j'ai pas fini mon mug. Oh, j'ai envie d'une pizzouille.
J'ai déjà envie de manger une pizza et je vais me faire ça à midi, au moins j'ai rien à faire. Le dîner, j'improviserai ce soir. J'en suis pas là. Carpe diem, je profite du moment présent. Un grand plaisir de le vivre en votre compagnie. Merci à vous d'être là. Ok, du coup, quand t'as fini toutes les quêtes ici et que t'as buté le chef, oui. Il te demande d'aller découvrir une nouvelle station. Il a une suspicion de contrebande dans la station. C'est pour ça qu'il t'envoie là-bas. Non, non, une nouvelle station du Peacekeeper. À un autre endroit. Ah, c'est une de ses bases. D'accord. Il a plusieurs bases. Wesh, t'es loin. Aou. On dirait pas comme ça, mais le chasseur de primes, il est riche. Il a plusieurs stations pour lui. C'est le luxe. Oula, j'ai un trop-plein de sable. J'ai un éboulis. Ouh là 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 là, je suis au pied de l'entonnoir, ça descend, ça descend, ça descend. Ah bah j'ai même une torche qui s'est cassée la figure, dis donc. Oh oh, pas gentil l'ennemi là. Va mourir. Oh. Ah, il m'a donné du cuir. Non. Aïe 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 aïe, très mauvaise gestion du saut. Moi je suis fait babao. En fait des fois j'espère qu'elle est plus belle cette station que l'autre. Des fossiles, un vœu, des fossiles. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas de point de TP, hein, par contre. Ah oui, oui, il n'y a pas de téléportation. Oh! Des nouvelles portes ici. Ok. Il y a même des grenades paralysantes. La nouvelle station, il y a un marchand. Qui, avec les tickets de. Oh merde! Des chasseurs de prions te vendent des trucs. Pardon, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais complètement oublié que c'était une planète d'acide. Et je suis remonté à la surface et j'ai créé une brèche. Ouh là là, vite, faut que je bouche la grotte. Parce que j'ai l'océan d'acide qui se vide. Oh là là là. Excuse-moi, tu disais quoi, petit Seb? Pardon, il y a eu un instant panique. Dans la nouvelle station, il y a. Déjà, il n'y a plus que le Peacekeeper lui-même, il y a d'autres PNJ, et il y en a un, c'est un marchand, qui, grâce au ticket de tes chasses, peut te vendre des objets. Oh! Donc, il y a les tenues de chasseur. Il y a la tenue de chasseur de primes, le pantalon et le haut. Il y a le Neo Magnum. Qui fait 6,3 de dégâts, même les plus gros flingues que j'ai vu, ils faisaient pas autant. Waouh! Il y a des stun grenades, donc des grenades paralysantes. Voudioudiou. Et il y a un drone de minage. Waouh! C'est bien! Quand il est jeté, apparemment, on creuse un tunnel dans la direction du jet. Non, moi dans 3 semaines, il faudra que j'honore une des quêtes de ma Nulu Shelly adorée, là, de chasse. Parce que moi, je les ai pas faites. Enfin, j'en ai fait qu'une sur les 3, je crois. Il y a celle-là, et puis après, il y a l'autre, là, pour si tu veux avoir ton propre accès au musée aussi. Oui, c'est vrai. Mais ça, s'il y a des objets que t'as pas, tu me le diras. Moi, je te les imprime, comme ça, tu pourras les scanner et les distribuer. Merci, merci. Normalement, je t'en avais donné quelques-uns que j'avais réussi à récupérer. Si je peux traverser le biome de... Oh, 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 il y a de la ressource là. J'ai vu que c'était étrangement coloré en sous-sol. Voilà, c'est pas perdu. Vu le biome, mon téléporteur doit pas être loin. Parce que mon téléporteur était dans le biome de du pétrole là. Dans le truc englué. Oh ma zette, ça en fait de la matière première. Quand je recroiserai mon four atomique, j'aurai des trucs à faire fondre.
Ah, Olive qui tue, qui désespère pas et qui a réussi à remonter à la pêche un amour blanc. Ah, mais c'est de l'or. J'ai cru que c'était un décor de fond, mais non, non, c'est bien de l'or que j'ai récolté. Ah, encore de l'or. Ça ne refuse pas. Pas dans le biome où il y a des fossiles, donc je vais pas être honoré de il faut que je me barre dans le biome suivant. Ah, je crois que je trouve la non, j'y retourne, merde, c'était qu'une poche. Oh là 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 là, encore un joli gadin. Ouais. Je vais trop vite. Attends, je peux pas ignorer toute cette ressource, ça se fait pas. C'est trop bien d'en avoir. Attends, je vais. Voilà. Je fais vraiment du travail de cochon. Oh. Ah, j'ai cru que c'était une structure, mais non. Non, c'est un autre type de roche, mais. Ah là 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 là, je suis noyé dans le pétrole. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette poche de pétrole? Ouh là là, alors je vais tout aspirer parce que là ça vaut le coup. Je me demande si le pétrole tu peux pas le raffiner en carburant. C'est possible. Je pense que c'est possible. Je pense que je serais à la place des créateurs, je fais un truc, c'est bien planqué, bien rare, mais qui permettrait effectivement de transformer le pétrole brut en raffiné essentiel de vaisseau. Mais j'ai pas trouvé l'astuce, mais moi aussi je soupçonne qu'elle existe. Oh la vache, j'ai récupéré 340 hectolitres. Trop bien. Ou litres. Non, plutôt litres, je pensais que litres, c'est abusé. Merde. Oh, oh, oh. Attends, il y a une plante qui m'intéresse. Alors que je suis quasiment mort, on va se calmer. Ah, j'ai un... La plante mortuaire, là, le fruit des nonos. Alors, j'ai toujours pas posé ma thune, je suis à 18 minutes sur moi. Ouais, moi ça va, je suis modeste, je suis à 229. Je vais le faire tout de suite parce que... Ouais, si tu meurs, t'as une énorme perte, ouais. Voilà, ça, hop. C'est triste. Un bloc de 10 000. Wow, j'ai bien fait de faire la... Oh, il y a de l'or, ça m'intéresse. Merde, je sais pas s'il y a un fond. Si, il y en a un. Waouh, y'a pas de fossiles. Putain, je comprends pas, c'est fou. Bon, mercredi matin, j'ai pensé à toi parce que pendant que je fouillais mes trucs pour chercher les ressources que je voulais, j'en ai croisé des fossiles, mais par dizaines. Hein. Ah oui, c'est bien. Oh là, alors que je me fais peur dans mes sauts là. Ah, je reviens à un biome normal. Si je trouve une cavité naturelle, je vais peut-être justement trouver un dernier fossile. Je pense que tu vas t'arrêter à 13h pile, si je dis pas de bêtises. Oui, non, t'attends qu'on t'appelle pour passer à table. Ouais, mais je pense que dans pas longtemps, de toute façon, je vais arrêter. Je vais m'amuser à faire des quêtes au château glitch aussi, voir si je peux pas récupérer des PNJ. C'est compliqué hein, de recruter des PNJ hein, dans son équipage en vrai. Hein. Oh, j'ai trouvé un coffre. Oh non, il est pas super intéressant. Mais bon. Un coffre, c'est un coffre. C'est ça. Non, c'était un coffre nonos, mais il y avait on va dire des pacotilles dedans. Ah ouais. Se faire un équipage, c'est magique. J'ai du mal à m'adapter au saut de mur. Le wall jump me boique et je le maîtrise pas. Donc du coup, je me mange des gamelles. Là où je devrais pas, en fait.
Voilà, je voulais récupérer la précieuse ressource. Ah, oh, encore un coffre. Oh, celui-là est beaucoup plus intéressant. Oh, j'ai des ailes en os. Ah, ça, j'avais pas ce costume-là. Oh, ça donne un aspect trop bizarre. Oh, puis, oh, elles bougent. Waouh, celles-là, elles sont animées. Quand je fais des sauts, contrairement aux autres, celles-ci, elles bougent. Ah, oh, c'est trop flippant. Trop flippant. Ah merde, là, j'ai un éboulipapoul. Voilà. Oh, c'était quoi ça? Hein? C'est le végétal que j'aime bien, là, qui permet de faire les tartes flippantes. Spooky pie. Oh, et encore un coffre. Allez, c'est reparti. Alors, attendez, ça, je le prends. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, rien de spécial. Des os achetés, des... Ouais, si, allez, je prends le coffre. Encore un coffre, décidément. Je les enchaîne. Ah bah tiens, j'ai le modèle pour les faire moi-même. Ah, je ne savais pas. Tiens, je croyais que je connaissais le modèle, mais non. De la santé, enfin une trousse de pharmacie. Et oh mon dieu, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose qui m'a couru après, qui m'a tourné le dos et qui va mourir. Non, qui est cachu dans les limbes. Je le retrouverai même pas, laisse tomber. Ah, sympa ça. Oh! Bah décidément, je les collectionne, les trucs de végétaux de la mort, là. Les bonibos, là. Je sais plus comment on les appelle, je retiens jamais le nom correctement. Oula, 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 là, 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 mais c'est pas croyable. Je vais me faire un champ complet, là. J'en ai récolté combien des pieds? Je suis en train de battre un record. J'en ai 8 des bonibos. Les bonibos. C'est comme ça que ça se prononce en vrai. J'en ai 8. C'est énorme, ça va être vachement rentable. Pas mal ma récolte de Durastel sur cette planète. Je suis déchaîné, je suis en train d'en récupérer. Oh là, oh là, oh là, oh l'avalanche. Ah, c'est horrible, en plus c'est une avalanche de dos et de squelettes. C'est trash. C'est Halloween-esque. Merde. Ah, j'ai pas fait la boule au bon moment. Voilà. Voilà, là j'adhère. Là. Je vais essayer de remonter un peu là parce que... Ah bah merde, je peux... Ah, si, il y a quelque chose, mais... Pas facile. J'ai beau avoir le niveau max, même là la spéléo elle est acrobatique. Waouh, mais je me douche dans la Durastel dans cette planète. Incroyable la concentration qu'il y en a par endroit. Alors mon souci principal, n'oubliez pas, ça va être le fait de retrouver mon téléporteur. Parce que là je me promène comme un fou dans la planète, mais comme je peux pas remonter à la surface, c'est une planète d'océan acide, je suis condamné à retrouver mon téléporteur pour me barrer d'ici. Donc je vais finir mon avis là-dessus et je recommencerai là-dessus dans 3 semaines. Vous verrez que je vais être complètement largué. Il va se dire, mais je suis où? Mais je suis où? Ouais, exactement. Oh là là, oh là là. Avalanche. Ah, 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 merde. Ah, j'ai dévissé de mon... Est-ce qu'il est là? J'ai essayé de prendre un peu d'altitude. Voilà. Mais oui, voilà, je suis à ton téléporteur. Et B. Attends, moi je me creuse un tunnel de fou furieux. Non mais il faut surtout pas que je meure, parce que là tout ce que j'ai récolté, c'est vachement intéressant. Encore un bon hibou. Oh, et encore un autre, ça va être mon 10e. Ah, je vais me faire un de ces champs de... Aïe, aïe, aïe. Oh, un 11e, allez, qui dit mieux?
Ça n'arrête plus. Incroyable. Mais c'est la propriété de cette planète, en fait. Ah, 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 ah. Du rastel par ici, de l'argent par là. Là, j'ai encore un pied, c'est le 12e. Là, j'ai du titanium. Merveilleux, que demande le peuple. Reparti pour de la durastel en nombre. Alors, premier et arrière-plan, c'est beau quand même. Hein. Au niveau de la ressource. Ah, un goujon de l'adour. Elle rajoute ce poisson-là dans son escarcelle, Olive qui tue. La classe. Stratégique que j'aurais pu payer de ma vie, j'ai dévissé, mais en ayant joué d'entrée de jeu mon double saut, donc j'avais plus rien pour amortir la chute. Ce que j'ai fait était pas bien du tout. Ah 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 ah, un pilier me barre la route pour l'accès à un coffre. Que signifie? Oh, oui, il y a une tech card. Ah bah, elle sera offerte à EJ. Oh, j'ai. Ah bah, merci, tu me donnes tes spectateurs. Merci, petit Seb. Merci tout plein. Alors, c'est bien d'ailleurs que tu fasses le relais de chaîne et que tu le provoques. Pourquoi? Parce que j'ai corrigé une faute de français que j'avais dans mon animation de relais de chaîne, que j'avais depuis mon tout début. Si vous regardez bien, je disais Intel me fait un relais de chaîne avec ses X Spectre. C'est écrit Spectre, j'avais oublié la syllabe TA. Et là, vous allez voir, ça va enfin s'afficher correctement en spectateur. Et non pas Cyber Spectre. Ça voulait rien dire. Six viewers. Merci, c'est très gentil. Oui, dans le lot, je devine qu'il y a l'adorable Lynn aussi. Qui t'est fidèle. Ah, dans l'orgue depuis un petit moment, je suppose. J'ai. Non, mais libre et chacun. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu est bon. Voilà, voilà. Alors je te rappelle que je me suis mis à ton téléporteur pour que tu arrives à le retrouver. Bienvenue. Merci petit Seb. Bienvenue. Et là je fais un fossile. Youhou. Je pense qu'il faille faire comme ça. Il est en 11 petits morceaux. Merdoum. Je crois que je l'ai très mal joué. Et que je vais le perdre celui-là. Merde. Comment. Il me reste un carré. Je l'ai mal joué, je crois. Oui, parce que au-dessus il te faut un carré pour avoir, mais tu vas toucher l'os. Quoique, non, vas-y, pète les deux du haut. Vas-y. Oh la vache, quel est le bon. Celui-là, celui-là. Voilà, et pète le bloc du haut. Moi, c'est celui-là, à mon avis. C'est. Allez, on la tente. Oui, merci, petit Seb. Bonne intuition. Bravo. Et c'était un fossile. Oh, c'est de l'ambre! C'est la première fois que j'ai de l'ambre. GG. Waouh. Eh, j'ai bien fait de m'emmurer. Hein. Le salopard, il m'aurait enquiquiné. J'ai bien fait. Toujours s'emmurer avant de faire un. À moins d'avoir un coéquipier qui vous couvre pendant l'excavation de fossiles. Bon, allez, moi aussi, je vais m'arrêter là. Oh, il y en a un autre. Du coup, tu reviens ou. Non, je reviens pas maintenant. Non, non, je continue. Je suis bien, en fait. Je suis bien. Attends. Si, j'ai de la bouffe. Mais, j'ai de la bouffe. Je peux survivre avec tout ce que j'ai récolté. Je peux survivre longtemps. Je pense pas que je puisse me faire beaucoup de. Attends, voir. Est-ce que je peux me faire de la cuisine avec ce que j'ai? Avec un feu de camp. Je vais vérifier, tiens. Théorie intéressante. Non, je peux faire du riz, mais c'est tout. Ce qui est mieux que rien, hein. Mais,
Non, c'est gentil, petit Seb. Je vais rester sur la planète jusqu'à la prochaine fois qu'on fera Mémuse. Dans 3 semaines. Allez hop. Emmuré, je mets une torche. Et je fais celui-là aussi. Allez! Alors, oh! Un gros morceau, un fossile en 16 parties. Bon bah merci d'avoir participé, bon âme petit Seb, j'anticipe déjà ton départ. Ouais, bah de toute façon là je suis calé, j'ai entendu appeler donc. Ah. Mais c'est que j'aurais bien aimé couper avant. Oh tu peux, c'est pas grave, merci tout plein. Oh c'est pas pour l'excavation de fossiles que je vais faire. Hein. Bah vas-y, fini. Alors attends, je réfléchis à comment je le joue là. Attends. Celui-là, je me demande si je vais pas le faire comme ça. Ah, la moitié. 8 de 16. Pas évident. Ah, chabot de Renani. Qui vient d'être pêché par Olive. Bien. Merde, j'ai pété. Ah, je l'ai mal joué, je l'ai cassé. Je suis allé trop vite. Bien fait pour ma gueule. Perdu. Pédu. Allez, c'était Starbound. J'ai encore failli dire Stardew Valley, moi. Oh, Stardew, peut-être que je sais que j'y joue. Peut-être ce soir, si je suis en forme après les billes. Je sais pas, on verra. Ou demain, on verra. Oh. Pff, neige mouche pourrie. Ta partie de Stardew, tu l'as fait solo ou tu l'as fait en multi? Je l'ai faite en solo, mais elle peut être ouverte en multi quand je veux. En fait, si un jour tu veux me rejoindre, tu peux. Ouais, bah à l'occasion, si moi je suis pas en train de stream, je peux te rejoindre et puis te filer un coup de main. Hein. Ah, ça peut être rigolo, ouais. Ouais, merci. Ouais. Ah, l'occasion. Faut lancer en multi, donner le code. Et ensuite, il faut que tu aies construit une cabane pour accueillir un joueur. Ouais, chose que j'ai pas encore faite. Et attention, Stardew Valley, il est à la volée. Il est horaire libre. Donc je peux faire n'importe quel moment. Oui, non mais t'inquiète pas. Sauvage. C'est juste que si tu le... En fait, si tu lances ta partie solo à la cabane, tu peux pas la construire de toute façon. La cabane pour les autres joueurs. Je parle. Ouais, bah oui. Bah merci à vous toutes et toutes d'avoir regardé. Moi j'ai déjà basculé en just chatting parce que voilà, je suis sorti du jeu pour faire les choses proprement. Ah, il est terrible le BS buggé par deux fois de suite. Il faut que je déclare et que je force là, sinon il n'accepte pas la nouvelle catégorie. C'est nimpe. Ouais, merci d'avoir été là, merci d'avoir joué. Alors, comment on fait la pause déjeuner? Je vais vous faire un sondage. Allez, j'active mon navigateur. Alors que vous me voyez assez sombre, en plus j'ai pas sorti ma lampe d'appoint, c'est n'importe quoi. Donc vous voyez de manière fantomatique, halloweenesque là. Kizako. Ah, je sais pas si t'es prêt, mais en 32 degrés je pense. Attendez, vous allez entendre mon moi du passé, c'est n'importe quoi. Pardon. Voilà, mon chat. Mon chat, que je puisse vous faire un relais de chaîne. Ouais, bonne pause déjeuner. Un relais de chaîne ou un vote déjà? Je vais vous laisser voter. Mais encore merci pour le relais de chaîne, hein, petit Seb. Merci tout plein. Tant pis. Alors, pause déj. On fait quoi? Point d'interrogation. Alors, une balade secrète, c'est-à-dire une balade que j'ai faite avec ma frangine. On regarde la suite. Ou alors... Bon, et moi je te laisse. A plus. A plus, merci petit Seb, bon week-end. Faudra que je te fasse ta pub aussi, petit Seb. Qui ben, un relais de chaîne. Oh là, il faut peut-être que j'écrive correctement mes propositions. Alors peut-être pas 5 minutes, je vais vous laisser 3 minutes de choix. Allez hop, sondage. Démocratie, vous avez 3 minutes pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la pause déj. Est-ce que je fais un relais de chaîne à quelqu'un? Est-ce que je vous mets des clips au hasard à gogo? Ou est-ce que je mets une balade secrète? C'est-à-dire que je mets la suite d'une promenade avec ma frangine cet été. J'en ai quelques-unes sous le pied. Du coup, ça vous ferait quasiment... Ah oui, mince, mon téléphone qui est à 6%. Il faut que je recharge mon téléphone à la pause déjeuner parce que si on essaye de me joindre, mon téléphone perso, ça va être la caca.
J'aurai plus de batterie. Oui, déjà, bon appétit tout le monde. Merci tout plein, bon app. Moi, j'allais me cuire une pizzouille. Bah, le temps que vous fassiez le vote, je mets de la musique de fond. Et je me barre enfourner ma pizza et je regarderai le résultat du vote juste après. A tout de suite, j'en ai pour 2 minutes. Bonjour aux arrivants. Alors, je vais vous la choisir, je vais aller faire un enfournage de pizzouille. Nickel, je vais enfourner la pizzouille. Alors, le vote démocratique a dit quoi? Le vote démocratique a dit quoi? A plus, Nayona, oui, bon app. Si certains d'entre vous partent manger, je comprends parfaitement. Le vote est encore en cours? Bah, c'est bizarre, il y a un problème de temporalité, non? Clips à gogo. Bon, bah, je prépare les clips à gogo, parce que 5 votes pour ça. On est à plus de 80% des votes pour les clips à gogo. Alors, que je prépare les clips. Je vais m'y prendre de cette manière. Je vais déjà ouvrir le multimédia. Ma cocotte, là, le vidéo, là, il est où? Il est là. Déjà, je prépare ça. Je prépare ça et je vais mélanger les clips dedans. Alors, Sage de Nancy, répertoire clip. Est-ce que... Ah non, il y a les habillages. Ah oui, c'est chiant. C'est vrai que j'ai fait des trucs en organisation. En fait, ça m'aide à habiller les compiles. Alors, saison 2. Saison 1. Hop là. Et la phase alpha et bêta. Hein, nostalgie de ces clips-là. Voilà. Lire au hasard, exactement. Exactement, exactement. Ah oui, j'ai des traitements à faire aussi en vidéo, en disque dur, pardon. J'ai... Ah non, j'ai mis le disque là, qui est vierge, mais ça peut me permettre de faire des manips, des jeux de vases communicants. À voir. J'ai la chance d'avoir la richesse d'en avoir trop et que pas assez, c'est merveilleux. Alors, quoi, le vote est terminé. Clips à gogo. Ok. Clips à gogo. Alors, je vais arrêter la musique. Je vais mettre dans la bonne... dans le bon mode OBS. Falloir que je change mon titre, du coup, d'ailleurs. Compilation ou clips à gogo, c'est l'équivalent. Tac. Ah bah tiens, ça je vais me le copier. Hop, que je fasse la pub à Petit Seb. Faudra que je fasse aussi la pub à Jack et tout sympa. Alors, pause déjeuner. Pourquoi j'ai mis déjeuner avec un D majuscule comme si c'était un nom propre? N'importe quoi. Alors, clips à gogo. Retour. Oh, je vais peut-être pas prendre 1 heure pour déjeuner non plus, faut pas déconner, mais... Retour, on va dire vers... Allez, je coupe la poire en deux, retour vers 13h45. Voilà.
En bon français, une phrase démarre par une majuscule et se termine par un point. Voilà, ça peut être apprécié aussi. Au niveau de la qualité rédactionnelle.